Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau live. Et ce soir, on va jouer à Kirby et le monde oublié. La grosse sortie Nintendo vedette de ce mois de mars, de cette fin de mois. Une des grosses sorties même de ce fin de trimestre. Un jeu que j'ai vraiment très bien pensé, on va dire. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'aime bien simple le volume du jeu de mon côté parce qu'il est un peu fort quand même. Voilà. Ça baissera le volume chez vous ou pas. Mais du coup, donc un jeu effectivement avec lequel j'ai un rapport un peu spécial dans le sens où je ne vais pas en faire un let's play découverte comme tous les gens qui le font en ce moment, puisque bah, le jeu est sorti vendredi, il y a des gens qui l'ont eu ce week-end, des gens qui ont pas eu de bol, dont la livraison a été retardée à aujourd'hui. Moi, c'est un jeu qui a déjà été pensé à 100% pour les besoins de la soliste de JV. Que j'ai même recommencé une deuxième fois pour refaire tout un tas de captures. Et du coup, je connais très bien. Je le connais pas encore à fond, hein. Je me fais encore surprendre par des trucs, mais à force, voilà, je suis quand même. On va dire que c'est. Le jeu n'a déjà plus beaucoup de secrets pour moi, forcément. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, pour la blague, on va essayer, plutôt que de faire un let's play découverte, tout ce qu'il y aura de plus banal, on va essayer de faire un speedrun de Kirby et le monde oublié, histoire de faire quelque chose d'un peu plus original, parce que je pense que personne ne voit encore speedrunner ce jeu. J'ai quand même vu des 80% en 2h-2h10, donc si ça se trouve, je peux même pas essayer d'avoir le premier, entre guillemets, world record en speedrun sur ce jeu. Mais on verra bien. Après, l'essentiel c'est de s'amuser, de passer une bonne soirée rigolote, et puis surtout d'essayer d'expérimenter ce jeu via un autre angle qui est donc bah justement celui du speedrun, sachant que, comme on l'a dit beaucoup dans les tests, on l'a dit dans les amiibo tout à l'heure, c'est un jeu où on a quand même un rythme de déplacement assez lent, malgré tout c'est un peu mou un Kirby forcément, il y a assez peu de phases qu'on peut tracer, mais du coup je vais utiliser tout un tas de contraintes et éventuellement d'artifices aussi pour changer un petit peu la donne justement et faire en sorte qu'on soit vraiment sur du speedrun, sur du 80%. L'objectif va donc être de terminer le jeu dans un premier temps. On verra bien combien de temps ça me prend. Si je vois que je fais ça assez tôt, j'ai envie de dire que je vous montrerai ça, je passerai peut-être à autre chose, ou j'essaierai peut-être de peut-être pas de le finir à 100%, mais de finir d'autres défis, ou peut-être d'atteindre la true ending éventuellement, parce que oui, spoiler, le jeu a une vraie fin. Et puis bon bah je vous montrerai aussi le contenu de cette chose parce que on l'a montré dans les amiibo tout à l'heure, c'est gros hein, vous voyez ça prend vraiment de la place, mais il y a des gens qui ne regardent pas forcément les amiibo ou qui n'ont pas l'opportunité de le regarder. Et du coup je vous ferai un unboxing de cette merveille. Surtout qu'en plus comme j'ai un truc que n'avait pas Sunday dans le sien, bah du coup forcément ça fera un unboxing un petit peu différent de celui que vous avez pu voir dans les amiibo. Du coup, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà présentes sur ce stream. Bonsoir à Savoyon King. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisé. Bonsoir Toby. Bonsoir Tedelic. Bonsoir Lafungo. Qu'est-ce que tu connais au speedrun? Pas grand-chose en vérité. Hein. Bonsoir Link. Bonsoir Ouzou. Et bienvenue à toi. Et merci pour le follow. Au passage, j'ai eu l'alerte juste avant de lancer le live. Bonsoir Galag. Bonsoir Darksider également. Merci beaucoup pour le follow. Bonsoir Xov. La casquette, la fameuse casquette, ouais, dans cette casquette absolument incroyablement, je n'oserais dire cringe. Bonsoir Paul, bonsoir Jean-Remu, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous dis, hein, vraiment, alors c'est très rare que je fasse ça, parce que, merci Jean-Remu pour le sub. C'est vrai que vous savez, moi je suis pas du tout, je me revendique pas influenceur, hein, mon métier c'était journaliste, c'est ce qui est sur la fiche de paye, donc je ne suis pas du tout du genre à vous faire plein d'unboxings de ouf sur des presquits et des trucs du genre. Mais celui-ci, du coup, Nintendo l'a envoyé. Alors, de toute façon, j'ai fait la soluce du jeu, donc je vais vous dire, j'ai pas trop de questions à me poser à ce niveau-là. C'est une grosse boîte, vous voyez, hein, vous voyez par rapport à moi, quand même, la boîte, elle est assez massive. Presque la taille d'un petit pouf, en fait. Et donc, nous avons ce magnifique couvercle, alors qu'elle est d'un très beau rose. Hein. Bon, l'intérieur est blanc, mais le couvercle est rose avec donc le logo des 30 ans de Kirby dessus. Je trouve ça très cool. Donc on a une vraie célébration des 30 ans de Kirby. Alors, bien sûr, c'est toujours triste. Moi, j'en démordrai jamais. Hein. Je trouve que les presquits, c'est sympa. Mais je trouverais toujours dommage qu'il n'y ait pas d'édition limitée pour le grand public sur les jeux qui ont un presquit. À partir du moment où un jeu a un presquit, pour moi, ça serait cool qu'il y ait une édition limitée pour les joueurs. Surtout que ce Kirby, donc les seuls goodies qu'il y a au niveau des.
au niveau des bonus de précommande. Alors, la Fnac avait un poster que voici. Bon, bah, le poster, c'est ni plus ni moins que la jaquette du jeu. Hein. J'ai pas. Vous savez quoi, on va regarder à quoi il ressemble. Parce qu'en vrai, ça se trouve, il est. Comment dire, il est. Il est fait recto verso. Il y a peut-être un dessin au verso que je ne connais pas. On va voir tout de suite à quoi ressemble ce poster. Est-ce qu'il est recto verso? J'ai peur parce que je vois du blanc derrière. Non, même pas, il est même pas recto verso. C'est-à-dire que c'est pour le coup le poster, ils ont pas fait un gros effort. Hein. C'est pas. Voilà. Bon, ça reste joli, hein. C'est quand même un joli poster de papier. Mais ce n'est pas. Bah, je sniffais l'odeur du papier, excusez-moi, j'aime bien sortir les papiers. Dans les bouquins ou même sur les posters. Donc voilà, c'est un poster pour ce qu'il y a de plus classique, non réversible, du coup, malheureusement, c'est un peu dommage. Donc on compare au poster de Metroid, notamment, qui est réversible, qui est méga stylé. Comment ça va trier ? Bonsoir Koso, arrête d'influencer à moi, il y a plein de renards partout dans les jeux. C'est vrai que les renards sont très tendance depuis quelques temps dans les jeux vidéo, et c'est une excellente nouvelle. Vive les renards, les jeux vidéo des renards sont des bons jeux vidéo. N'empêche qu'en termes de prestige, j'aimerais beaucoup mettre les mains sur celui de Tunic, mais ça m'a l'air d'être très compliqué. Nous avons donc à l'intérieur, donc, il y a du papier rose, hein, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, ça ferait une très belle corbeille en vrai, hein, quand on y réfléchit. Il y a à l'intérieur donc, tout un tas de choses. Il y a donc cette exceptionnelle casquette que vous avez vu porter dans les Amiibro. Hein, et, donc une belle casquette rose, n'est-ce pas? Avec le logo Kirby et le monde oublié derrière, donc on voit que c'est vraiment là. La musique est un peu forte, je vais la baisser dans ce cas-là si vous trouvez qu'elle est un peu forte, parce que même moi je la trouve trop forte. Parce que là ça l'a baissé un peu. Ah, mais ça n'a même pas baissé pour vous en fait. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais la baisser un petit peu du côté de l'OBS. Est-ce que c'est mieux pour vous là? Ah là, je l'ai baissé la musique, donc pourquoi si c'est mieux pour vous? Donc ouais, la fameuse casquette du plus bel effet, hein. Donc je ne vais pas faire le stream avec parce que voilà, je suis pas du tout. Je parle de ma chapeau et j'aime pas beaucoup porter des casquettes pour ne rien vous cacher. Sauf lorsque j'étais un touriste au Japon et que j'étais très content vu le cagnard qu'on se tapait là-bas d'avoir une casquette. J'avais une casquette des Yankees de New York. J'étais le gaijin parfait là-bas, c'était extraordinaire. Donc voilà, donc très très belle casquette de Kirby. La casquette rose. J'aurais aimé qu'il y ait un t-shirt. En vrai, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un t-shirt, mais il n'y a pas de t-shirt. Alors, en plus de ça, il y a, donc évidemment, parce que c'est important, il y a donc évidemment du jeu, hein, forcément. Il y a la petite carte Kirby 30th Anniversary. Donc avec le petit message qui est derrière, hein, qui est très mignon. Cher jeu, cher joueur, nous vous aurions bien offert une part de gâteau pour fêter le 30e anniversaire de Kirby, mais ce dernier l'a déjà entièrement aspiré. Vous trouverez tout de même dans cette boîte de quoi célébrer l'événement en partant à l'aventure avec lui dans hashtag Kirby et le monde oublié sur hashtag Nintendo Switch. Inspirez, aspirez, préparez-vous pour la toute première aventure de Kirby en 3D. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, libérez les Waddle Dees qui ont été capturés et percez le secret de ce monde mystérieux. Vous avez besoin de renfort, invitez ou une amie à vous rejoindre et unissez vos forces en jouant en coopération à deux. Très bonne aventure, l'équipe Nintendo. Voilà. Truc là avec les crédits derrière, je cache l'adresse mail quand même. J'ai caché l'adresse mail du RP, j'ai pas caché le numéro de téléphone. Très malin. Mais ouais, non, la carte est vraiment très mignonne. Il y a aussi. Alors au début, j'ai cru que c'était des gâteaux, figurez-vous. Parce que c'est tellement mignon. Donc il y a aussi ces petites figurines Van Presto qui sont vraiment trop choux. En plus. Je sais pas si, alors j'ai pas l'impression qu'elle soit déjà là, mais si Miku est dans le coin, je pense qu'elle va adorer ça. Il y a des fraises dessus. Moi en plus, les fraises, ça me rappelle vraiment Céleste pour le coup. Donc on va ouvrir ces petites figurines Van Presto juste après parce que franchement, j'ai trop envie de voir à quoi elles ressemblent. Et puis, donc tout au fond, en fait, c'est un truc en dessous du papier quand même, mais je crois pas. Non, en fond, il y a vraiment que du papier rose, hein, voilà. De ça, il y a ce carnet de notes. Donc ça, c'est le truc que Sunhead avait pas dans son press kit. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils aient pas tout mis. Mais du coup, donc très très joli petit carnet. Donc avec des artworks du jeu. Hein. On reconnaîtra pour les gens qui ont fait la démo. Donc bon, en plus, ça spoil pas grand chose parce que c'est le premier boss qu'on voit dans la démo. On a Kirby, on a Kirby et Gory Colossus. On a les Foil Warp. Si on a nos trois amis avec les filins. Et voilà, donc un bon petit carnet sur lequel on mettra vraiment beaucoup de choses, hein, beaucoup de pages. Et voilà. Donc c'est très cool parce que donc, bah, ça rejoint une collection de press kits Nintendo qui commence à être...
qui commence à être conséquente en ce qui me concerne. Depuis que je bosse chez JV, j'ai récupéré ceux de Splatoon, de ARMS, de Animal Crossing New Horizons, de Mario 3D World plus Bowser's Fury. Et donc celui-ci. Alors ouais, c'est pas impossible effectivement que ce calepin arrive en cadeau. Pour une simple raison, c'est que contrairement à la casquette ou quoi que ce soit, il y a un code barre avec une mention ne peut être vendu. Donc je ne serais pas du tout surpris. Alors attention, faut se méfier d'un truc avec les mentions ne peuvent être vendues. Il y avait des carnets Pokémon Arceus comme ça, qui je crois étaient dans le Presskit. Et il y a eu des magasins, des espaces culturels Leclerc, si je dis pas de bêtises, qui avaient ces carnets et qui avaient recouvert le code barre et le ne peut être vendu d'un code barre maison avec un prix dessus. Ce qui, tu vois, en passant, n'est pas bien du tout. Donc si ça se trouve, voilà, on les retrouvera peut-être effectivement dans certains magasins, ce serait quand même pas très gentil. Donc voilà, c'est pas le kit le plus incroyable de tous les temps, mais il est vraiment joli. Il est vraiment les couleurs de Kirby, quoi, c'est chouette. Moi je vous dis, vraiment, la grosse boîte rose et surtout ce coffret, faudrait que je vérifie, je me demande si c'est pas la taille d'un vinyle 12 pouces ce machin. J'ai presque l'impression que ça en a la taille. J'ai envie de vérifier en fait. Je vais chercher un vinyle 12 pouces pour être sûr. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça parce que regardez par rapport à une pochette de vinyle. Vous voyez, ça match hein, quasiment. Et en fait, je me rends compte qu'on pourrait presque mettre un vinyle là-dedans du coup. Enfin bref, là ce n'est pas l'objet. Mais du coup, là, c'est le kit. On va regarder du coup qu'est-ce qu'il y a dans la figurine Van Presto quand même. Amazon vend par les steelbooks. Ah oui, tiens, c'est dommage d'ailleurs dans tous les goodies de préco de Kirby. Je pense que personne ne posait de steelbook, c'est un petit peu dommage. Alors, voyons voir un peu. Il y a du scotch évidemment dessus. Je vais peut-être. Est-ce que ce scotch s'enlève bien ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher un cutter? On dirait une boîte à chapeau, carrément, ouais. C'est vrai qu'on dirait une boîte à chapeau. Bonsoir Helsing d'ailleurs, bonsoir Cho au passage, bonsoir Capper Drive. Je me rends compte que j'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Ça a l'air d'être un scotch qui s'enlève bien. Donc on y va doucement quand même pour pas l'arracher, mais. Ça doit bien partir. On va voir un petit peu à quoi ressemble ces. En plus elles sont numérotées, hein. Vous voyez, il y a marqué volume 2, il y a volume 1 sur l'autre. Alors j'ai les 1 et 2, je ne sais pas combien il y en a. Tout à l'heure sur son live, Nina montrait celle qu'il y avait dans le press kit que Ken a ramené du coup. Et il me semble qu'on en a une en commun. On a celle-ci en commun avec Nina, mais j'ai l'impression que moi celle-là, c'est pas la même que la sienne, la deuxième. Alors voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se cache dans cette petite boîte. Ah mince, il y a encore du scotch autour. Putain, il y a du scotch sur tous les bords. Oh, ça va être long et chiant. Écoutez, c'est pas grave. Je vais meubler pendant ce temps-là. Vous savez quoi, je vais le mettre en déco derrière le Kirby Colgate. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit. C'est pas ouf, mais c'est pas grave, vous voyez. Mais franchement, ouais, c'est bien complet. C'est. Globalement, en général, les presskits Nintendo sont plutôt sympas. Ils en font pas souvent, en vrai. Ils en font pas pour tout leur jeu. Hein. Ils en font surtout pour leurs jeux vraiment importants. Et encore, il y a des jeux Nintendo importants qui n'ont pas de presskit entre guillemets. Breath of the Wild, à ma connaissance, on n'avait pas. Mario Odyssey, il n'avait pas vraiment de boîte à presskit en fait. Ils envoyaient un colis avec des goodies un peu en vrac, mais c'est-à-dire il y avait le pins, il y avait la casquette de Capi, et il y avait les cartes postales aussi avec. Link's Awakening, il y avait carrément rien eu. Link's Awakening, ils avaient juste envoyé une carte postale avant aux rédactions. Je ne me souviens pas qu'il y avait eu quoi que ce soit. Luigi Mansion 3, pareil, je me souviens de rien, mais par contre, Animal Crossing Horizons, il y avait eu quelque chose. Et donc Mario 3D World, il y avait le fameux presskit un peu fluffy là, qui était du plus bel effet avec les mitaines. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un string jeu avec les mitaines. C'était très très cringe. Est-ce que ça saccade? Alors oui, non, le jeu n'est pas en 60 fps, le jeu est en 30 fps, si on parle bien de Kirby, hein, bien sûr. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, qu'est-ce qu'on a comme ravissante petite gun? Alors j'ai du papier bulle, c'est très bien, j'adore le papier bulle, j'aime beaucoup ça, c'est ma grande passion. Mais nous avons surtout donc une figurine Kirby à l'intérieur, voyons voir un petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est chou. Mais qu'est-ce que c'est chou. Oh non, mais Kirby avec sa fraise là. Animal Crossing, c'était une mallette, c'est ça, carrément. J'ai l'impression que je vais pas avoir le choix et que je vais devoir l'ouvrir comme un bourrin. Pourtant, ça va jamais se. Ouais, non, je pense que je vais être obligé de le couper.
Oh, le choix, tant pis. On a un petit socle ici qui est absolument adorable. Bonsoir, les autres. Et on a Kirby qui est de l'autre côté dans la partie que j'ai pas ouverte encore, du coup, forcément, voilà. Hop. Non, mais Kirby et sa fraise, mais franchement. Alors, elle est pas encore sur le stream, mais dès que Miku va se pointer, il faut absolument que je lui montre ça parce qu'elle va complètement fondre devant Kirby et sa petite fraise. Je crois que vous êtes pas prêt pour autant de cuteness. Voilà. Et du coup, il y a ici de quoi clipper Kirby. Voilà. Et donc là, c'est absolument délicieux de douceur et de cuteness. J'ai pas de mots en fait pour décrire à quel point c'est mignon. Voilà. Donc on a celui-ci, c'est vraiment beaucoup trop chou, bonsoir Nedra. Et on en a un deuxième. Je veux retour des goodies du club Nintendo. Alors, techniquement, Capper Drive, les goodies du club Nintendo ont été entre guillemets ressuscités sous une autre forme, qui, je le concède tout à fait, n'est pas satisfaisante hein, pour nous autres collectionneurs, que dis-je, grouillants clis. C'est-à-dire qu'avec les points platine sur le store, on peut récupérer des goodies. Il y avait eu notamment l'autre fois un incroyable rouleau de scotch Wario. Il y avait eu des posters, il y avait eu les pins Metroid, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'avais commandé, moi? J'avais commandé un truc, une fois, je sais plus ce que c'était. J'avais pas trop... Le pire, c'est que je trouvais même pas ça ouf, mais je l'avais pris parce que voilà. Qu'est-ce que c'était, putain? Il y avait un truc envoyé par Nintendo. Je sais qu'il existe des gens comme Beyond qui arrivent à farmer les points platine, je ne sais pas comment ils font, mais du coup, ils arrivent à toujours commander les nouveaux trucs qui sortent. Après, c'est vrai qu'au niveau des points platine, les points platine, c'est un peu de la gamification, notamment pour certains de leurs jeux mobiles. Genre Animal Crossing Pocket Camp, je crois qu'en vous connectant au jeu régulièrement, vous débloquez des points platine, un truc comme ça. En répondant à des enquêtes Nintendo aussi, vous débloquez des points platine. Enfin, c'est des trucs, voilà, ça se récupère assez... En foutant pas grand-chose, souvent en n'investissant pas d'argent. Mais par contre, le problème de ces points platine, c'est qu'ils vous permettent juste de débloquer des objets dont vous devez payer le port. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, à l'époque du Club Nintendo, on ne payait pas de port, hein, on déboursait en fait nos points VIP, nos points étoiles, et puis voilà. Mais vous savez, j'arrive pas à me rappeler quel est le seul truc, parce que je sais que j'ai pris un truc, mais impossible de me rappeler ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a eu comme objet avec les points platine, on va dire, depuis en 2020-2021, on va dire. Un truc qu'il y avait avant les pins Metroid et avant le rouleau de scotch Wario, je sais plus ce que c'était. Alors oui, en plus, on peut pas cumuler les objets dans le même envoi, ça c'est vraiment très con. C'est vraiment, vraiment méga con comme truc, mais bon, c'est... Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième. Donc, en deuxième, il y a aussi une fraise d'ailleurs, hein, c'est très mignon. Les cartes postales Zelda, merci Corrosif, merci pour le souvenir, c'est exactement ça que j'avais pris, les cartes postales Zelda. Alors, celui-là, il n'y a pas de bulle dedans. Et on a. Celui-là, il est en un seul morceau en fait. Je pourrais presque le garder comme ça. Alors, je vais l'ouvrir quand même, parce qu'ils sont vraiment chouettes à exposer. Les cartes Anafuda Mario, ouais, bien vu, j'ai pris aussi les cartes Anafuda, effectivement, ouais, j'ai pris les deux. Est-ce qu'il n'y avait pas des cartes postales pour Link's Awakening? Je ne m'en souviens pas. Le sac Dodo Airlines, que je n'ai jamais pris, parce que j'ai trouvé qu'un tote bag, vraiment, pour le coup, c'était un peu abusé quand même de nous faire payer 7 balles pour ça. Bon, les boîtes, on les fout dans la jolie boîte rose. Hein. Et du coup, bah lui, il en a un seul morceau, et il est méga chouette aussi, regardez-moi ça. Alors j'ai pas vraiment de collection Kirby dédiée dans le sens où les seuls trucs Kirby que j'ai en dehors des jeux vidéo, c'est la peluche que vous voyez derrière. Peluche qui a un gros vécu du côté de JVTV Gaming Live. C'est pour ça que cette peluche a été intégralement lavée dès qu'elle a franchi le seuil de mon appartement, parce qu'il faut pas déconner hein, vu comment elle avait l'air dégueulasse. Et que je ne sais pas ce que certaines personnes aux mœurs douteuses de Gaming Live ont pu faire avec. Mais sinon, dehors de ça, j'ai les amiibo. Donc
bah, la gamme d'amiibo de la série Kirby, les 4 qui sont tous neufs. Puis j'ai les 3 amiibo des personnages de Kirby au niveau de Smash Ultimate. Une Smash for Wii U d'ailleurs. Parce que du coup j'ai Kirby, Meta Knight et Daddy Doo. La peluche du squat, c'est ça. Donc le principe, c'est quoi? On va leur mettre là. Voilà. Ah là, il y a le petit calepin. Voilà, vous voyez là j'ai fait mon petit, j'ai fait un petit déco derrière, ça rend bien. Vous noterez si vous êtes observateur que une de mes étagères derrière qui s'est fait la malle, parce que je suis un bolos, voilà. La peluche du squat, mais ouais, ça, les gens se sont assis dessus, il y a encore des traces de café sur cette peluche. Je sais juste que Mizu, quand elle était partie de JV, elle m'avait filé cette peluche. J'ai jamais su si c'était pour faire chier Ken ou pas. Je sais juste qu'un jour j'en ai parlé à Ken et il m'a dit ouais t'inquiète tu peux la récupérer. Voilà. Ronny Komanga, comment ça va? En attendant, donc ça c'était donc pour l'unboxing du press kit. Alors j'ai été au coiffeur, non. Sauf si on considère que mon coiffeur s'appelle Miku. Donc ouais, l'étagère derrière effectivement a disparu, ouais c'est. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est trop la honte. Enfin si, je vais vous l'expliquer, parce que je sais que vous voulez que je vous explique. Mais en fait, vous avez peut-être vu, j'avais mis des figurines dessus, c'était des figurines de Nier Automata, des Playarts. J'avais 3 en plus, j'avais Etune, Agnes et Tubi, plus la figurine du collecteur d'Elden Ring. Et à un moment, j'ai voulu les déplacer et je me suis un peu appuyé dessus. Pas beaucoup, hein, mais suffisamment pour que... Donc j'arrache mon mur avec, voilà. Gros niveau. C'est une chose qui arrive. Mais du coup, ouais, vous voyez, il y a des trous dans le mur derrière, c'est très beau. Des trous sont un peu plus gros que quand on avait enfoncé les chevilles pour supporter les étagères. Voilà, voilà. Il y a eu les dessous de verre Pikmin ou des décos de circuit pour MK Live. Les dessous de verre Pikmin, ouais, ça encore, ça va. En fait, ça ressemble, je trouve que les goodies avec les points platine, c'est les goodies bas de gamme du club Nintendo, vous savez, ceux qui coûtaient 1500, 2000 points à tout casser. Mais il n'y a rien de premium, en fait, dans ce catalogue, c'est vraiment des trucs de merde. Pour moi, en fait, ce que je trouve triste, c'est que tous ces goodies, c'est des goodies niveau bonus de préco. On n'est pas du tout dans du bel objet, on n'est pas dans les trophées Mario Kart 7, ou qu'est-ce qu'il y avait comme vraiment très beaux objets. Bah, c'est con, mais les OST du club Nintendo, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que j'avais récupéré Ocarina of Time 3D, Kirby Triple Deluxe, Mario Kart 8, Mario 3D World, Smash, la collection des Ending Themes aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme OST que j'ai récupéré avec ça? Mario Galaxy. Enfin, il y en a eu plein. Les manettes devraient être achetables en points, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tous les trucs qu'on a avec les points platine, c'est du 400 ou 500 points platine toujours. Ils pourraient faire des belles rewards à, je sais pas, soit beaucoup de points platine, ou alors, parce que les points platine on les récupère globalement gratos, proposer des rewards qui soient basés sur les points or. Les points or, mine de rien, c'est l'équivalent de ce qu'on avait dans les jeux, avec les cartes VIP à gratter. Les points or pourraient nous permettre pas que d'avoir des réductions sur des jeux, mais nous permettre de dépenser justement d'acquérir des objets entre guillemets un petit peu plus prestigieux, un petit peu collector. Parce que pour le coup, puis bon, voilà, en plus j'allais dire, il y avait des très beaux objets sur le Nintendo, il y avait des objets vraiment magnifiques. La fameuse figurine de Link et Epona, je vais la ressortir parce qu'elle est juste à côté. Ça, c'est quand même. Je veux dire, on parle vraiment d'un truc magnifique, quoi. C'est voilà, vous la voyez bien, en plus elle brille bien, je suis désolé. Le jour où on aura un truc d'une classe pareille avec les points or de la Switch, ça arrivera plus jamais, quoi. Et ça, bon, ça coûtait très cher. C'est pas un truc genre 30 000 points ou un truc comme ça, enfin c'était énorme, ça coûtait ultra cher. Mais elle est trop belle, elle est vraiment trop belle.
En sorte de 269. Ouais, trop classe. Hein. La Rapid Game & Watch Ball, c'était bien, ouais. C'était très très bien. On a eu la collection Zelda GameCube, et maintenant on a des carnets, c'est ça, voilà, c'est... C'est un peu décevant pour le coup, je suis un peu chafouin à ce niveau-là, mais je trouve qu'on pourrait faire un effort. Bonsoir JBlood, comment ça va? Bon allez, il est 20h25, on va basculer sur Kirby. Et alors du coup, on va essayer de faire un truc un peu particulier. Donc comme je vous l'ai dit ce soir, on va essayer de basculer sur du speedrun. Donc je vais créer un nouveau fichier, hein, bien sûr. L'objectif de ce speedrun, je ne cherche même pas à le foutre sur speedrun.com parce que je ne sais pas quelles seront les règles, j'en sais rien et je m'en fous. Je veux essayer de finir le jeu. Aucun problème CapperDrive, t'inquiète, moi j'adore qu'on détourne le sujet, j'adore qu'on ait plein de discussions différentes et discuter des goodies justement, montrer, faire des unboxings et tout, c'est vraiment cool. En quoi mon objectif, donc ça va être de finir le jeu le plus vite possible, sachant que... Donc mini spoil, même si vous vous en doutez, hein, quand vous connaissez les jeux Nintendo, il y a la fin de base et il y a une true ending. Je ne sais pas encore si je vais essayer d'atteindre la true ending ou si je me contente de celle de base, parce que je ne sais pas du tout en fait le temps que ça va prendre. J'ai vu qu'il y avait des speedruns Any Person qui durent à peu près 2 heures, je ne sais pas si ce sont des speedruns de gens qui connaissent déjà bien le jeu, qui le dosent déjà bien, qui sont doués, ou si c'est des gens qui comme moi vont le faire à la cool comme ça, on n'a aucune idée de leur strat. Je ne sais pas s'il s'arrête à la première fin ou à la deuxième fin, mais je vais en tout cas essayer de me donner un petit challenge, histoire que ce soit un peu intéressant. Je vais faire aucun, donc si vous connaissez pas du tout le jeu, vous comprendrez pas forcément de quoi je parle, mais soit vous connaissez pas le jeu et vous avez pas l'intention de le faire, dans ce cas vous vous en foutez, soit vous connaissez pas le jeu, vous avez l'intention de le faire, dans ce cas je vous déconseille quand même ce stream parce que vous risquez de tout vous faire spoil, parce que je vais montrer tout le jeu. Mais du coup, juste pour simplifier, il y a des niveaux additionnels. Il y a des niveaux qui sont... Comment vous dire... c'est du time attack en fait, ça rémunère en gemmes, et c'est des gemmes qui permettent d'améliorer les pouvoirs. Moi, ces niveaux, je vais pas les faire, ils sont optionnels. Du coup, les gemmes, j'en aurai pas, du coup, mes pouvoirs, je les améliorerai pas. Et je vais tenter de jouer comme ça, je vais tenter de jouer en améliorant aucun de mes pouvoirs. J'en améliorerai un seul, parce qu'à un moment, on m'offre des gemmes quasiment gratos dans le jeu, et du coup, ça m'aide. Et surtout, je vais tricher un peu, parce que vu que c'est du speedrun que je tente, que c'est du Any Percent, que je vais essayer d'aller vite, je vais utiliser les amiibo de Kirby qui sont à ma disposition. Attendez, je vais vous les montrer là. Voilà, j'ai utilisé ces trois-là, donc les amiibo de Kirby, de Daddy Doo et de Meta Knight. L'amiibo de Kirby, donc, il donne une deuxième barre de vie, l'amiibo de Meta Knight donne une réserve de vitesse, et l'amiibo de Daddy Doo donne une réserve d'attaque. On va tricher un petit peu avec ça, sachant que c'est peut-être quelque chose que je vais pas forcément faire régulièrement. Voilà, je vais peut-être le faire au bout d'un moment parce que les boss commenceront à devenir un peu difficiles, surtout au niveau de la réserve d'attaque. Après, ça dépend si vous considérez que c'est de la triche ou pas. Si vous considérez que je dois le faire sans amiibo, je le fais sans amiibo. Je peux aussi vous demander, effectivement, vous préférez que je le fasse comment? Attendez, je vais lancer un sondage, ça sera plus simple, avec ou sans amiibo. Hop, et puis... Hop, voilà, on met 2 minutes, comme ça, ça laisse le temps aux gens de voter. Donc soit je le fais avec ou sans amiibo, sachant que les amiibo me permettront d'avoir plus de vie, mais surtout me permettront d'aller plus vite. Vraiment, pour le coup, le bonus de vitesse qu'on a avec l'amiibo de Meta Knight, c'est pas... On n'a pas l'impression subitement que le jeu est en 60 fps, mais voilà. Les vrais jouent avec une banane. Speedrun Player. Est-ce que j'utilise les codes de la démo? Non, parce que ça va être une perte de temps. Je vais essayer de jouer sans, avec le moins de perte de temps possible. Par contre, je vais être un gros faible. Je vais peut-être le faire en mode brise, au lieu de le faire en mode ouragan, pour être sûr de ne pas perdre de vie au cas où, parce que bon, en traçant, je risque de prendre beaucoup de hits, et j'ai pas envie de perdre des vies bêtement, donc voilà. Je vote les yeux bandés, une main dans le dos. Et là, vous allez me dire, non, tu joues en mode ouragan. Après, voilà, de toute façon, je sais comment ça va finir, vous allez majoritairement dire sans amiibo, vous allez majoritairement dire en mode ouragan, et je sais même pas en fait pourquoi j'ai lancé des sondages. Parce que je connais ma commu, voilà ça, voilà 82% de sans amiibo, je sais même pas si ça vaut le coup que je laisse ce sondage continuer pendant encore une minute. J'ai apporté les amiibo pour rien, ouragan ou rien, je suis quasi sûr que si je lance le même sondage par rapport au mode ouragan... Attendez, pour la brise, je lancerai un sondage quand même, j'attends de voir le verdict pour les amiibo, mais là pour l'instant le verdict est quand même assez largement en faveur du sans amiibo. Ah, les cartes commencent à se resserrer un peu. On a l'impression que la team amiibo commence à vouloir s'exprimer un peu. Donc
Attendons le verdict final quand même, il reste encore une vingtaine de secondes pour savoir qu'est-ce qu'il en sera précisément. Hop. Et donc c'est majoritairement en faveur du sans amiibo. Enfin majoritairement, c'est pas une majorité écrasante en vrai, hein. 14 voix à 10, je m'attends. Le début était beaucoup plus. Voilà. Pour le coup, si tu fais amiibo en mode brise, la vie doublée, je ne l'autorise pas. Très bien, ok. Donc avec ou sans amiibo, donc ça sera sans amiibo, ok. Maintenant on pose la question, je fais le deuxième sondage. Est-ce qu'on joue en mode ouragan ou en mode brise? Je précise quand même que mode ouragan, c'est le mode normal et brise c'est avec une barre de vie doublée. Donc hop, on est parti. Ouragan brise, ouragan. Je mets normal pour ouragan parce qu'en vrai il n'y a pas de mode hard dans Kirby, ne faut pas déconner. Et c'est reparti pour 2 minutes de vote. Le chat est sans pitié, mais le chat a raison. Le chat a complètement raison, le chat veut nous voir souffrir et c'est normal. Un chat qui serait complaisant et qui dirait mais oui, allez, vas-y, joue avec les amiibo, joue en facile. Limite, vous me décevriez en fait. Non, en vrai, vous ne les sauveriez pas, mais... Merci Yann pour le follow au passage et bienvenue à toi. Bonsoir, Sidarul. Les amiibo, ok, mais que le lundi. Eh, hey, on est lundi, hein. On est lundi, on est le jour des amiibo. Bon, des amiibo, en vrai. Et du coup, pour l'instant, nous avons... Voilà, oh là là. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu un 74-30% qui n'avait aucun sens, mathématiquement parlant, qui a duré quelques instants. Mais... Ouais, on est en faveur. Alors là, il y a plus de votants que tout à l'heure, c'est assez marrant. Vous êtes plus nombreux à voter sur le second sondage que sur le premier, mais encore une fois, on est largement pour l'instant en faveur du mode normal. Deux tiers hein, en faveur du mode normal. Mais il reste encore un petit peu plus d'une minute pour renverser la tendance. Et évidemment, au terme de ce vote, je démarrerai vraiment le jeu parce que vous n'attendez que ça quand même. Et je lancerai un chrono sur mon téléphone parce que j'ai toujours pas inclus de timer et que... Et voilà. C'est un moment, il faudra que je me décide à en inclure un quand même. Mais du coup voilà, je lancerai là-dessus et puis je vous montrerai évidemment où on en est. Non, j'ai pas l'iSplit, j'ai toujours pas l'iSplit parce qu'en fait comme je fais très peu speedrun, j'ai pas pensé à l'installer. Mais il faudra que je me décide surtout si je veux refaire du Yoshi's Island à un moment. Parce que même si j'ai pas été retenu pour speedrun, Yoshi's Island, je pense quand même que j'en referai en stream malgré tout. Et puis bon, ça peut. Il y a d'autres jeux que je peux faire en mode speedrun. Hein. On a toujours plus de votes, hein, clairement, il y a 31 votes contre 24 tout à l'heure, mais on est quand même avec une forte tendance en faveur du mode ouragan, 65-35. Je pense que les 15 secondes qui restent ne vont pas inverser la tendance du tout, à moins que la team Breeze décide de se révolter d'un coup. Est-ce qu'il y a un mode difficile après le mode normal? Alors je ne répondrai pas à cette question sur le chat, parce que je me dis qu'il y a peut-être plein de gens qui ne veulent pas savoir. Enfin, après, si vous vous en foutez de le savoir, vous me le dites. Au pire, je réponds dans le chat et puis on met un petit mot. On met une petite commande spoiler après. Donc, ça va être plus simple. Vous vous en foutez, ouais, je pense. De toute façon, je vais quand même répondre. Hop. Donc, Yann, je te réponds, puis je mets une petite balise de spoiler après, comme ça les gens ne verront pas. Du coup, majoritairement Team Ouragan, hein, 65%, donc 65% de gens qui veulent l'aide d'Ouragan, 65% de gens qui veulent que je joue sans amiibo, et bah écoutez, on est type art, on crée un nouveau fichier, c'est parti. Donc je vais skip par contre toutes les cutscenes, hein, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, au moins il n'y aura pas de spoil scénario, le seul spoil qu'il y aura, ce sera sur les niveaux. Je ne sais pas exactement à quel moment je démarre le timer, honnêtement. Donc je m'apprête à le démarrer à n'importe quel moment, mais je crois que c'est une fois que je prends le contrôle de Kirby, quand il est sur la plage, que ça doit démarrer à mon avis. Je crois que les fonctions en ligne, en vrai, ça sert à R, donc non. Voilà. Oui, spoil scénario, Beyond, spoil scénario. Ok, donc ensuite, donc on joue en mode ouragan. Voilà, ça va démarrer. Et donc mon timer, il est là, vous voyez ici. J'aimerais bien afficher mon timer quelque part, mais j'ai peur que ça tienne pas, en fait, si je le mets là. J'aimerais bien le... fixé, mais j'ai peur que ouais non j'ai peur que ça tienne pas en fait si je le mets comme ça. J'ai peur que mon téléphone se casse la gueule. Non, jamais ça va tenir. Faut skipper les cinématiques, c'est un speedrun. De toute façon, on va démarrer au moment où je prends le contrôle de Kirby, hein, comme ça vous serez témoin. Merci Sidarul pour le sub au passage.
Tu as de très bonnes années, tu es un vrai passionné, merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, on skip cette cinématique et on va skipper la suivante et je vais démarrer le timer au moment où je skip. C'est parti. Allez. Alors par contre, je vais juste inverser les commandes. Voilà. Parce que je ne peux absolument pas jouer du tout en mode avec le bouton A pour sauter. C'est vraiment un bouton que je trouve pas pratique pour sauter du tout. Donc je vais forcément skip une chier de trucs. Hein. Si ça se trouve, c'est une très mauvaise idée. Mais on verra bien comment ça se passe. Kirby, ça se joue bien une main, tu peux garder ton tel dans l'autre. Bon, ça va au niveau du son, c'est bon, c'est pas trop bas, c'est pas trop haut. Parce que moi j'ai l'impression que c'est bas chez moi en fait. Ah, c'est bon, je l'ai remonté un peu. Mais non, on saute pas avec A, Beyond. Personne ne saute avec A, c'est une très mauvaise idée. A, c'est pas le bouton pour sauter. On saute avec B et on tire avec Y, bordel. Ah, ah bah ça commence bien, tiens. Ah oui, en plus j'ai la bombe sur moi. Mais recrache cette bombe, bordel. C'est vrai qu'il y avait ça ici, voilà, hop. Qu'est-ce qu'on peut glisser? Oh non, on peut pas slider sur la planche entière, c'est dommage. Alors est-ce que ça vaudrait le coup de faire justement des kicks au sol? Je ne sais pas. Meilleur speedrun Deathless. Et techniquement, ça sera un... Pour l'instant, c'est un Deathless. Hein. Ça... Tant que je ne meurs pas une seule fois, c'est un Deathless. On n'a pas parlé de no hit. Hein. Ah, peut... D'ailleurs, je me dis que si ça se trouve, parfois, la caméra, je vais la... Ah, c'était peut-être pas une bonne idée de passer par là. Ouais, non, en fait, c'était pas nécessaire. De toute façon, il y a plein d'endroits, je vais me dire au dernier moment, ouais, c'était pas une bonne idée de passer par là du tout. J'ai pas de pouvoir sur moi, ça va être trop bien pour affronter le boss. Enfin, le boss. Le mini-boss. Je me rends compte de ça, c'est... La meilleure musique du jeu a été skippée, mais c'est pour la bonne cause, c'est ça. Alors juste pour votre information, j'ai démarré à peu près à 20h35. Je dis bien à peu près, parce que là je suis à 3 minutes. Ouais, j'ai démarré à 20h35 et 20 secondes environ. Pour vous situer. La meilleure musique du jeu, je serais pas... Merde, je serais pas d'accord sur le fait que c'est la maison hantée. Moi j'aurais tendance à dire que c'est... J'aime beaucoup celle qu'il y a dans le monde 2 qui me rappelle un peu celle de la du bois de Mario Odyssey. Le jeu n'a pas trop de sens en speedrun, mais complètement, c'est justement pour ça en fait. Comme tout le monde fait un let's play de découverte du jeu, et que moi je l'ai déjà torché, j'ai aucun intérêt à vous faire un let's play découverte parce que je le connais déjà trop bien. Donc autant essayer de le torcher en speedrun, ça peut être marrant. Surtout voir si c'est jouable en fait. Merci Stardust pour le follow au passage et bienvenue à toi. Alors je sais pas si... ouais non, j'ai pas l'impression que ça fasse gagner du temps de faire l'attaque comme ça. Alors c'est dommage qu'on puisse pas les... comment dire, avaler quand on est en l'air. Alors vous avez peut-être posé la question de pourquoi j'ai désactivé entre guillemets l'auto-avalement, c'est que je... Dans ma façon de jouer, j'aime pas en fait qu'on m'impose d'avaler l'ennemi que j'ai chopé. J'ai envie de... s'il le faut, de le recracher à volonté, donc... S'il y a une astuce sur la glissade, ouais franchement, Gibol, je veux bien savoir, ouais. Parce que je pense que les glissades, elles doivent pouvoir s'exploiter d'une manière ou d'une autre. Hein. Merde, j'ai oublié de skip le... Avant que ça ralentisse.
Ah oui. Ouais, d'accord. Ok, je vois l'idée. Mais alors, du coup, après, ça va être, ouais, ça va être une mécanique à choper. Alors, est-ce que j'ai besoin du cône? Ah, le cône est pas la merde. Le cône, j'ai déjà passé, en fait. Je suis très con. Et bonsoir, Cody. Ouais, non, le cône m'aurait servi à rien, de toute façon. Donc, c'est pas grave de l'avoir skip. Bon, après, évidemment, il y aura des pertes de temps partout, hein, mais c'est... Alors ouais, Germain, de toute façon, j'ai fait le jeu à 100%, donc il y a quelques records que j'ai pas encore. Bon, il y a quelques records que j'ai pas battu. Ah oui, il est vraiment. Après, c'est vrai que des gens avaient speedrun la démo, ouais. Donc je pense que de toute façon, il faudra régulièrement que je récupère les étoiles. Hein. Voilà. Mais c'est là qu'on voit que les niveaux sont quand même assez longs, mine de rien. Ils ont ce petit côté Yoshi's Island qui fait que le jeu en mode linéaire va pas être rapide à faire. Rendez-vous à les GDQ 2023, bah ça c'est sûr que c'est un jeu qu'on verra les GDQ. Hein. De mémoire, ici à la fin du niveau, il faut utiliser le cône, mais on a une autre occurrence pour choper le cône. Ah voilà, il est là. Mais ouais, ils sont plus longs que les niveaux 2D, hein, clairement. Alors là, déjà, si je vais pas au bon endroit, c'est pas ouf. Ouais, tu vas me toucher, bah j'en ai rien à foutre, vas-y. Toi, te plaise. Ah putain, j'avais largement le temps d'y aller, en fait. Ouais, pour la SGDQ, ça sera peut-être un peu compliqué parce que le jeu sera quand même récent. C'est comme Tunic. Tunic, c'est un jeu qui sera assez ouf à voir en speedrun, je pense. Mais le temps d'optimiser un minimum les runs, on va peut-être pas le voir de façon compétitive tout de suite. Donc là, on peut pas vraiment accélérer hein, les objectifs. Donc faut attendre que ça passe et appuyer sur un bon moment. Un truc qui va être en plus, en fait la validation à la fin de chaque niveau c'est long comme passage, ça laisse vraiment vraiment le temps de cooldown, comme si déjà le jeu était stressant. Par contre j'ai réalisé un truc, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de Waddle Dees pour accéder au boss, et du coup il faudra que je fasse gaffe, il faudra que je fasse très gaffe à ça. De mémoire le premier monde c'est 17 je crois. Et des niveaux, il y en a 4 avant, donc il y en aura... Ouais, faut quand même que je fasse gaffe à assurer un million de Waddle Dees, parce que sinon, je l'aurai dans l'os. Je me demande s'il y a une possibilité d'activer les pouvoirs rapidement, en fait. Que dans Yoshi's Island, qui a une mécanique assez similaire, quand on avale un ennemi, on peut pondre un œuf en étant en l'air pendant la phase de chute et sans perdre de vitesse. Ce qui est absolument vital comme mécanique parce qu'on l'utilise des centaines de fois pendant tous les runs du jeu. Les solution runs sont déjà ouvertes, ouais ça fait très cher proposer quelque chose d'intéressant, hein, c'est clair. Après, bon, c'est un jeu, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent vite. J'ai dû aller imaginer qu'il y aura vraiment des skips majeurs dans un jeu pareil, mais... Alors je précise au passage que c'est un truc, je l'improvise complètement, hein, je me suis jamais entraîné dessus vraiment. Le seul truc sur lequel je me suis un peu entraîné, sur lequel j'ai un peu d'expérience, c'est les boss, parce que les boss, pour les guides que j'ai fait sur JV, j'ai essayé un truc un peu perfectionniste, c'est-à-dire de faire tous les objectifs en un seul try. Ce qui pour certains est vraiment chaud, surtout quand vous le faites en début de jeu. Parce qu'en vrai il y a des boss, une fois que vous avez assez amélioré les pouvoirs, ça passe crème. Mais il y en a vraiment, c'est le bordel. Hein. C'est vraiment le bordel. Je vais pas donner leur nom, mais les boss du monde 3 et 5,
surtout celui du monde 5. Le boss du monde 5, quand vous avez les meilleurs pouvoirs possibles à ce moment-là du jeu et que vous voulez faire les 5 objectifs d'un coup, il est chiant, il est vraiment chiant. Mais on s'en fout de ça, on s'en fout, c'est un objectif annexe. Je suis con. On est là pour tracer. On est là pour tracer. Le Noit avec un pouvoir imposé, ouais, ça serait pas mal. Je pense qu'effectivement, le mieux à faire peut-être sur... Oh, il n'y aura pas besoin de l'escalier à la fin ici. Je sais plus. Je pense que le mieux sur un jeu comme Kirby, effectivement, ce sera d'avoir une... inscrit dans la contrainte. Pas de soucis John, merci beaucoup. Je vais en avoir besoin de l'escalier moi normalement, ouais. C'est là. Normalement j'en ai besoin pour finir le niveau je crois. Oui de toute façon faut que je libère des amis. Faut que je libère des amis parce que sinon je vais pas pouvoir buter le... Donc on va juste assurer celui-là par exemple. Voilà. En vrai, si à un moment il y a un mec qui trouve un moyen de faire glitcher la Super Sucette, ça pètera le jeu. Parce que la Super Sucette, c'est le truc qui est complètement pété en termes de vitesse. Enfin, complètement pété, tout est relatif, mais ça fait vraiment aller le jeu beaucoup plus vite. Donc ouais, il y a 3 battle disks de sur par niveau. Là j'en suis à 8, je crois que c'est 17. Le pire c'est que j'ai noté dans la Solus, hein, mais pour moi c'est 17, 19, 21, 23 et le dernier monde c'est 32. Attends, 17, 19, 21, 23, 25, pardon, et 32. Oui, et là si je skip pas les dialogues, ça va pas le faire. Donc 17, ça veut dire qu'il faut absolument que j'en fasse 4, 4, 4, 5, du coup. Après je peux essayer d'en avoir plus que 17 mais c'est pas nécessaire d'en avoir plus, c'est juste... En fait je vais essayer de choper ceux qui sont vraiment sur la route et qui sont faciles à choper quoi. Là par exemple celui avec les souches, il est très très simple. Pour l'avoir très naturellement, ça c'est très con. En plus ça me permet de me heal un peu, c'est cool. Évidemment, le meilleur routing définira quels sont les Waddle Dee facultatifs les plus simples à récupérer. Moi, je me pose pas la question, j'essaie de choper ceux en fait que j'ai vraiment en tête en me disant « Ouais, ceux-là, je sais qu'on les chope facilement. » Non, pour l'instant, c'est très simple, hein, c'est ça, voilà. Ça passe, ça? Ouf, non, ça passe pas. Ça passe pas et puis alors le moment où je me fais aplatir c'est long, c'est très long. Bonsoir Sensier, comment ça va? Ah, il y en a un qui sera facile à avoir dans ce niveau, c'est à la fin. Parce qu'en fait, il y a un objectif qui nécessite, dans la partie où on est en voiture, de ne pas tomber une seule fois. Et vu que justement, bah, la voiture, de toute façon, est nécessaire pour tracer. Salut Nek, comment ça va? Donc on fait pas le fou avec la voiture, parce que ça, c'est... Dans le genre Run Killer, on fait pas mieux. Par là parce que du coup ça on s'en fout, c'est du facultatif. On coupe bien l'intérieur. Ah putain, le mur, dommage. On va pas dû me prendre le mur. Donc là j'ai plus besoin que je note des conseils pour les objectifs temps pour les épreuves courtes.
Tu parles de quoi? Des épreuves courtes au niveau des niveaux bonus? Enfin, des niveaux de la route des trésors, ou tu parles des objectifs timés? Comme par exemple dans le circuit. Pour les étoiles, alors dans la Solus j'en rajouterai. Pour l'instant j'en ai pas mis, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de couvrir le plus de trucs possible. Le défaut d'ailleurs de la Solus pour l'instant, c'est qu'elle manque beaucoup de screen. J'ai fait des guides vidéo parce que je me suis dit que c'est le truc qui quand même aiderait le plus les gens, vu qu'on montrerait tout ce qu'il y a, y compris les capsules de figurines. Mais il faudra que j'illustre un peu, et du coup le niveau trésor ça manque. Ah, ce niveau où Ken s'est perdu. Incroyable quand même, c'est pas que c'est... J'arrive toujours pas à croire qu'il se soit perdu, quoi, c'est... Sacré Ken, je vous jure. Donc là, par contre, on va essayer d'optimiser le mieux possible la Super Sucette. Parce qu'elle va être méga utile et il faudra vraiment pas la... Faudra la garder le plus longtemps possible. Ah bah d'ailleurs les super sucettes, ce sera le moyen de safeiser du coup. Ah mais je suis con moi. Le problème c'est que je veux garder mon feu parce que... avoir besoin. Alors sorcier, le presqu'île, j'ai montré au début ce qu'il y avait dans le stream. Je suis désolé, du coup je le remontrerai peut-être en fin de stream éventuellement, mais là vu que je fais mon speedrun, je vais pas le montrer maintenant. Allez, donc là, c'est là qu'il faut optimiser. Parce que oui, la super sucette, elle se garde quand vous changez de... Je pense que je dois pouvoir aller jusqu'au... Alors il faut savoir que je crois que les mauvais passages sont plus courts, parce qu'il y a moins de trucs dedans, donc faut justement les prendre. Alors, interminable invincibilité comme ça, là, du coup. Ah, l'invincibilité sur le tapis roulant, ça trace. Ouais, les bons passages, je suis à Waddle Dee, mais je m'en fous parce que de toute façon, à partir du moment où j'ai eu la Super Sucette, j'en ai déjà assez. Je sais qu'en finissant ce niveau avec la Super Sucette et enfin, juste en finissant le niveau avec la Super Sucette, j'aurai assez. Donc je m'inquiète pas outre mesure. Tu vas crever, bordel? Merci. Possible, ça. Je m'en fous d'avoir la glace, ça n'a pas d'utilité. Je suis en train de me dire qu'il n'y a que le prologue où j'ai mal joué, c'est ouf. Pour l'instant ça va, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je suis plutôt... Enfin, je fais pas des... Il n'y a pas des pertes de temps horribles. Pourquoi speedrun Kirby? C'est une excellente question, Wasabi. C'est pour plus pour la blague qu'autre chose. En fait, comme c'est un jeu que j'ai déjà fait à 100% quasiment deux fois, pour les besoins de ma Solus, bah en vrai, j'ai pas un grand intérêt, si vous voulez, à vous faire un speedrun, entre guillemets découverte du jeu, puisque je le connais déjà très bien, donc ça serait plus vous montrer un jeu que je connais déjà, et c'est pas méga intéressant forcément. C'est plus intéressant dans le cas d'un vieux jeu que je vous remontre, mais quand c'est un nouveau jeu qui vient à peine de sortir, merde, j'ai perdu mon feu. Bon, tant pis. Est-ce que c'est pas plus rentable de rush en fireball? Ah, c'est une bonne question. C'est une excellente question, je me la suis pas posée. Je sais pas si on a la fireball sur le tout premier pouvoir. En vrai, la meilleure transformation, c'est l'aiguille, parce que l'aiguille elle est cheatée. Parce que l'aiguille, c'est le seul pouvoir, si je dis pas de conneries, qui permet de récupérer les étoiles dans les combats de boss. J'ai fait Fireball au début, j'ai même pas fait gaffe. Heureusement que vous analysez mon jeu et que vous êtes là pour me dire si je fais des trucs bien, parce que sinon... sinon j'arriverai à rien du tout. On a combien de temps? On est à... déjà quasiment 20 minutes, hein. Vous voyez, c'est long, hein. C'est vraiment long. Donc il en faut 17. Normalement c'est pile ce que j'ai.
La tornade aussi permet de ramasser les étoiles. Ouais, mais la tornade, je trouve qu'elle est brouillonne. C'est, la tornade, c'est un pouvoir qui est spectaculaire, mais je trouve qu'il est pas facile à gérer. Ouais, j'ai vraiment optimisé, hein. J'ai cherché, je savais que c'était 17. Le monde suivant, c'est... je vous dis après, c'est 19, 21, 23, 25. C'est le dernier monde où il faudra vraiment que je sois très vigilant, parce que le dernier monde, il en faut plus, et du coup, faudra que j'en chope 5 par niveau, plus 2 bonus, en gros. Bon, par contre, là, comme je suis un peu low life, c'est pas ouf. Donc je vais aller chercher les bananes, hein, au lieu de faire le con. Ouais, sur la world map, faut enfoncer LWR. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, effectivement, ouais. Je sais pas si en sautant, il va plus vite. Bon, allez, on va le faire à l'épée, hein. Je suis pas un grand fan des bombes. Ça marche avec ZL et ZR aussi? Oh, je savais même pas. Là, je bourrine le bouton plus pour pouvoir passer, hein. Je sais pas quand je l'aurai. Non, non, je tente pas un no-hit. Je tente pas un no-hit, je m'en fous. Mais j'ai pas eu la cutscene, j'ai pas eu la possibilité de passer la cutscene, c'est trop bizarre. Merde. C'est la tornade normalement. Alors, ce qu'il faut avec la tornade, c'est pas trop s'éloigner de lui parce qu'il va être stun tellement longtemps à la fin. Voilà, ça c'est fait. C'est con, j'ai pris un hit dans l'histoire, c'est dommage. Parce que vraiment j'aurais pu choper tous les pouvoirs d'un coup. C'est, enfin tous les objectifs d'un coup, c'est con. J'ai vraiment raté le no-hit pour... Parce que c'est pouvoir épais, moins de 2 minutes, passer entre ses jambes et... Ma fameuse Kirby, moi je dis un New Super Lucky Stealth, ça vaut totalement et c'est moins cher. Ah, t'es dur là quand même, Saturn Meteor. T'es vraiment dur pour le coup. T'es vraiment dur parce que Super Lucky Stealth, c'est un jeu que je trouve mignon mais quand même assez. Comment dire, pour moi, c'est un sous-Kirby, vraiment. Après, je comprends qu'on soit pas plus attiré par ça que ce Kirby qu'on trouve trop facile, qu'on trouve pas incroyable. Hein. Ça se défend complètement comme avis. Est-ce que dans les calculs j'ai compté les Waddle Dees gagnés contre les boss? Non, on s'en fout en vrai. Parce que de toute façon, moi je cherche pas à faire un 100% des Waddle Dees et les Waddle Dees qu'on récupère contre les boss, ils ont aucune utilité après. Alors je sais plus si j'ai déjà un plan pour améliorer le pouvoir feu à ce moment-là. Parce que le premier plan que j'ai, vu qu'il est gratos, je le prends. C'est j'améliorerai le pouvoir feu. C'est le seul que je m'autorise à améliorer. Mais du coup, ouais, non, les Waddle Dees qu'on gagne contre les boss, ils ont pas d'utilité. Par contre, vu que les boss, j'essaie de les battre le mieux possible, tant qu'à faire, si je peux choper tous les Waddle Dees, mais je crois que le premier, je peux y aller, hein, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je crois qu'il m'invite de toute façon à y aller. Je me demande si c'est pas automatique. Non. Non, c'est pas automatique, mais je vais quand même le faire. Parce que je vous dis, hein, celui-là, c'est le seul... Mon objectif, c'est de pas faire les niveaux additionnels. Donc en vrai... Donc là, il me file le pouvoir pour... si je dis pas de conneries, c'est pour le trancheur et pour le feu. Voilà. Alors le feu, bon, c'est vrai que c'est basique, mais c'est quand même extrêmement efficace. Donc là, les deux, il me les donne. Ok, c'est cool. Bonsoir Talaos, bonsoir Lyric. Non mais New Super Lucky Stealth, il est sympa comme jeu, c'est juste qu'il est... Voilà, il est juste bon, pas plus. C'est un jeu à 13-14 sur 20, quoi. Il est mou, en fait, c'est ça le problème. Ben, c'est comme Kirby, mais le problème, c'est qu'il a pas, entre guillemets, le... Et pourtant, c'est un renard, hein, mais il a pas le côté...
le charisme, si vous voulez, d'un Kirby, quoi. Est-ce que la Switch a le temps pour battre des types sur Ratchet & Clank level bonus? Pas encore, mais je les rajouterai après. J'ai essayé de faire un max de trucs dans la Switch de JV. N'hésitez pas à la consulter d'ailleurs, à me faire vos retours, à me dire s'il y a des trucs que vous estimez que j'aurais pu changer, vraiment. Je prends avec plaisir, hein, je prends vos retours. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut skipper ça en plus. Ah, c'est vrai que je pourrais utiliser la... Ah oui, mais là, je pète le jeu si je fais ça, là. Après, bon, l'objectif, c'est de faire un speedrun aussi, hein. Est-ce que c'est le pouvoir le plus cheaté pour tracer? Pas impossible, hein. Parce que ça fait un dash, en fait. Merde, alors le problème, c'est qu'il faut quand même que je lui tire dessus un moment. C'est pas bien. Buck. Tu veux pas crever un moment? Des pommes de pain de merde. Il y a un seul truc que j'ai pas d'idée. Ah, la maxi tomate, elle est. Non, je prends pas le marteau. La maxi tomate dont tu parles, Luigi Blood, elle est vraiment, vraiment bien planquée. En plus, je trouve que la façon dont l'indice est. Enfin, le nom du défi est indiqué, te laisse vraiment supposer qu'elle va pas du tout être à ce moment-là. L'amélioration niveau 3 de ce pouvoir est ouf. Elle est vraiment ouf. Ouais. Les améliorations de pouvoir sont hyper jouissives. Je trouve que c'est ça qui est marrant, c'est que un Kirby... Oh putain, mon feu. Je veux mon feu, merci. Je trouve qu'un Kirby, c'est pas forcément un jeu dont on attend que les pouvoirs soient extrêmement jouissifs, et je trouve que pour le coup, celui-là, globalement, il l'est, hein, vraiment. Donc ouais, moi, c'est cette musique qui fait partie de mes préférées du jeu. Il y a plusieurs musiques qui ont des vagues très Mario Odyssey, mais celle-là, je trouve particulièrement. Ah, je pense que j'ai pas besoin de la transformation. C'est pas le niveau que j'ai fait le plus vite du jeu, pour l'instant. Merci Darling pour le follow, et bienvenue à toi. En difficulté, donc c'est un rang de difficulté que tu mets, scénario, tu mets Kirby, puis Yoshi, Mario, Zelda, Donkey Kong et Metroid. Zelda, ça dépend vraiment lesquels. Mais ouais, Metroid en dernier, ouais, je suis d'accord. Ah, j'ai pas pris un objectif additionnel, faut que je fasse gaffe à ça, faut vraiment que je fasse gaffe à ça, parce que ce monde-là, faut que je sois à 19, donc ouais, faut vraiment, vraiment que je les gère. Je suis à 3, il me reste 3 niveaux. Donc il en faut 16, ouais, il faut 5 par niveau plus encore une, donc ouais, il faut vraiment, vraiment pas que je fasse le con. Je sais duquel je vais m'occuper. Je vais m'occuper des mouettes. Celui-là, globalement, il est sur la route, donc ça devrait aller. Oh putain, perte de temps ici, c'est pas ouf. Ah! Qu'est-ce que je voulais faire? Je pensais que ça passait. What? Mais il a fait quoi là? Donc voilà, ouais, il m'en faut un parce que voilà, j'ai perdu du temps au niveau d'avant. Ah, il est au trésor, j'ai failli me faire avoir. Mais en fait, quand j'ai vu où elle était et que j'ai compris le délire, je crois que la mouette est là, non? Putain, elle est pas là, elle est... Ah non, elle est après. Oh, je sais plus où elle est, fait chier, bon, c'est pas grave, je vais m'occuper des... Ah, bordel, la mouette. Si, elle est là, c'est bon. Parce que la deuxième série de gemmes, elle est pas pratique du tout. Elle est longue à faire, donc on va la skipper. On s'en mordit. Et des bisous, pas de soucis. Non, je devrais en avoir 6 à la fin de ce niveau, ce qui est bon. Parce que du coup, je serai à 9. Enfin, j'en chope 5 dans les deux niveaux suivants.
Mais par contre, il faudra que je pense à choper un pouvoir foreuse. Si je chope pas de pouvoir foreuse, j'aurai l'air con. Le problème, c'est que j'ai... Ah non, ça va, j'aurai d'autres possibilités. Ah, putain. Le mob, reviens. Non, j'aurais pu faire ça à un autre endroit. Merde. Ah putain, mais non. Toilette. En plus, je suis con, il suffisait de me protéger en dessous, mais bon. Après, Scrabby, qu'est-ce qu'on a comme gros jeu Nintendo? On a Switch Sports, effectivement. On a Switch Sports qui, donc le 29 avril, si je dis pas de conneries, on était censé avoir Advance Wars le 8. Qui veut vraiment Nintendo Switch Sports? Je pense qu'il y a plus de gens qui le veulent que prévu. En vrai, je pense que pas mal de gens sont assez chauds pour y jouer. En mai, qu'est-ce qu'on a sur Switch? Par contre, en jeu de mai, ça me dit rien. Parce que oui, en juin, on a Mario Foot et on a le Fire Emblem Warriors. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais, mais 13 Sentinels, ça compte pas, parce que là, on parle des exclus. On cherche qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles exclus Switch. Parce que je pense que des jeux Switch tiers, il doit y en avoir d'autres qui sortent aussi. Hein. Aucune idée si ça sera un objectif facile, mais comme ça, au moins, on le close. Je l'ai fait complètement à l'aveuglette, hein. J'avais aucune idée de comment ça passait. Mais bon, visiblement, le timing de base était bon. Alors là, par contre, ce boss va être chiant. Mais on va quand même tenter l'objectif. Merci Leader pour le sub. Alors par contre, j'ai merdé sur un truc, c'est que c'est pas comme ça que je voulais l'avoir. Ah, je vais en chier. Bon, tant pis. Pas comme ça du tout que je vais la vaincre, j'ai un peu merdé, je vais perdre du temps sur ce boss clairement. Moi la paix, bordel. C'est quand tu veux pour les étoiles, hein, vraiment. Merde! Je pensais qu'elle allait retomber tout de suite. Bon, pas grave, au moins c'est fait. Et en plus, j'ai craché la tornade comme une merde. Bah bravo, c'est du joli. Oui, je perds le temps parce que j'ai pas de temps de référence. C'est un peu le problème. Au moins, on se soigne. Déjà, ça, c'est une bonne chose. J'en avais un peu besoin. Donc je vais pouvoir aller chercher celui-là. Donc je vais pas dans la salle secrète, hein, ça serait une perte de temps. On va plutôt faire la partie finale dans le avec l'arche. Je suis en... Bah, il n'y a pas vraiment de mode difficile, en vrai, Wasabi, c'est plus un mode... Merde, mais je pensais mettre trop. Ok, j'étais persuadé que je m'étais transformé, mais ok. Par contre, là... Ah, je crois que le switch se fait avec Elwer pour aller vite, heureusement. Donc ouais, je suis en mode de difficulté normale, hein, il n'y a pas de... Par contre, vivement qu'il me propose d'inverser les sticks, voilà. Parce que je peux pas... Et voilà. Ah mais est-ce que l'attaque tournoyante ne permettrait pas d'aller plus vite? Je sais pas en vrai. On va spam l'attaque tournoyante au cas où. Bien mis dans Star Fox Corneria, c'est ça, ouais. C'est le barrel roll totalement, ouais. Je sais pas du tout si l'attaque tournoyante me fait gagner du temps. J'aurais tendance à dire que ça me fait gagner un petit quelque chose, mais ça va pas être ouf hein, comme différence.
Bon, il aura quand même passé là, même si. Parce qu'au moins, comme ça, dans le dernier niveau, j'aurais pas à m'en préoccuper. Ah, mais ça servait à rien! Ça servait à rien pour l'objectif. Ah, bah si, ça sert pour l'objectif, je suis con. C'est. Oui, il compte quand même. Ouais, je pensais que c'était une cutscene que je pouvais skip, mais non. Il y a peut-être moins de bouffe en mode ouragan, c'est possible, ouais. Bonsoir les Katiel, comment ça va? Après, le mode tornade, le pouvoir tornade, il a un avantage, c'est qu'il permet quand même de bien dash. Hein. Alors, c'est pas du dash très facile à contrôler. C'est un peu le bordel, mais au moins, voilà. Ça trace. Je sais plus combien j'en ai, j'ai un vieux doute, est-ce qu'il m'en faut encore un ou pas? Pour moi, j'en ai eu 6 dans ce niveau. Pour moi, 5 doivent suffire dans le dernier, sans aucun problème. Je pense que 5 suffisent. J'essaie de faire les choses bien. Ah, j'étais un peu loin. On skip de ouf. Hein. J'aime bien cette musique là aussi dans les musiques du jeu. Enfin, oui, dans les musiques du jeu, forcément, c'est une musique du jeu, c'est un peu con ce que je dis. Est-ce que je vais plus vite si je fais la tornade là-dessus? J'ai pas l'impression en vrai que ça change grand chose. C'est peut-être même un peu plus lent. On va le choper lui déjà, hein, il est sur le chemin, ça serait con de pas le prendre. Normalement, un seul autre Waddle Dee devrait suffire. Ça, c'était très bien. Alors, c'est pas le meilleur pouvoir que j'ai pris, mais bon. Mais dégage. Une perte de temps ici. Le plan, je le récupère pas, on s'en fout. Ah, il est facile, c'est celui-là. Celui-là, il est facile à récupérer. Voilà. Ouais, c'est un simili 3D World, on va dire ça, ouais. Bon, il y a certainement mieux à faire ici, mais... Et on va assurer le dernier pour être safe. Parce que je suis pas sûr de moi à 100%, je pense que normalement j'en ai un de marge, mais... J'ai l'impression que le monde 2 est plus rapide pour l'instant. Non, même pas, j'ai 20 minutes. Non, en fait, je mets 20 minutes pour chacun, c'est un gros leurre. J'avais l'impression d'aller plus vite, mais en fait, non. Comme les niveaux sont plus longs, j'ai l'impression peut-être de skipper plus de trucs, c'est surtout ça. Putain, j'ai même pas 1000 pièces, quoi. C'est vraiment... C'est la dèche. Je me suis demandé si on pouvait pas skip ce truc, mais en fait non, on peut pas.
Alors pour ce qui est des scans d'amiibo, figure-toi sorcier que j'ai fait un vote auprès du chat avant le stream pour leur demander justement qu'est-ce qui m'autorisait comme skip. Enfin comme aide plutôt. Et j'ai demandé du coup si je jouais en mode brise ou en mode ouragan. Le chat a massivement voté en faveur du mode ouragan. J'ai demandé si j'utilisais des amiibo ou pas. Le chat a massivement voté en défaveur des amiibo. Voilà. Vous autorisez à rien. Je vais même pas aller chercher la tomate, en vrai je m'en fous, c'est une perte de temps. Hop, passe là. Et on va prendre le feu, on va pas se faire chier. Il va me projeter forcément. Je traite bec de corbeau plus facile que cet arbre. Ah la bonne blague. Alors évidemment il va mettre le truc là, voilà. Et... Ah putain, alors par contre le. Ouais, ça ce pop là je l'avais pas vu venir. En fait j'arrive pas à savoir ce qui va le plus vite entre souffler en permanence ou appuyer sur des coups répétés. Le fameux amiibo DLC à 15€ de Skyward Sword qui faisait polémique à chaque fois que je le sortais, c'est vrai. Ça, c'est des bons souvenirs. Du coup, il y a un plan à récupérer. Et vous savez quoi? Je vais le skip, je ne prends pas le plan. Voilà. Oh, attention, tu as failli oublier un plan! Les plans sont très importants. Non, Nick, j'avais jamais vu ce message. C'est exceptionnel, ils ont mis un message au cas où on sera assez con pour contourner le plan. Sauf que l'animation de la récupération du plan est beaucoup plus longue que de laisser popper ce message, donc... Donc là on a fait deux mondes complets et on est à 42 minutes 30. Ouais, c'est à dire que si tous les mondes ont le même rythme, franchement le sub 2 heures il est horriblement chaud. Hein. Il est horriblement chaud. Bon, je sais qu'il y a un niveau qui va aller très vite. Ouais putain, on revient au village, c'est vrai qu'il y a pas mal de passages comme ça qu'on a... Ouais, il y a le way of the ID, c'est cool. Je m'en tape, je m'en fous. Dégage. Non mais je m'en tape, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que le plan il était dans le boss et que je suis passé à côté? Lol. Je rêve ou je suis passé à travers l'étoile warp, j'étais trop vite. Ce jeu ne veut pas être speedrunné, j'ai l'impression. Après il est tellement pas pensé pour ça, hein, c'est... Merde. Allez, on est parti. Bonsoir, c'est sans glitch, complètement le naf, complètement sans glitch, en mode ouragan, sans amiibo. Par contre, j'ai essayé vraiment de faire un hypersunt, donc je skip le chier de truc. Alors là, on va aller chercher celui-là parce que c'est une qui est vraiment simple. Voilà. Ouais, il y a des niveaux dans ce monde qui sont vraiment ouf, je suis d'accord. J'étais pas sûr que ça passe, ça. C'est pas ouf. Oui, alors c'est vrai que moi qui joue un jeu sans le casser, ça paraît... Putain, j'ai voulu choper celui-là, mais j'ai l'impression que c'est une idée de merde, en fait. Bonsoir, Nomax, comment ça va? Ah, pas tant que ça, en vrai. Pas tant que ça. Non, parce que là, il en faut 21. Il y a toujours que 4 niveaux, donc faut que j'en chope 5 par niveau. Je pense déjà savoir lesquels je vais gérer. Donc, surtout pas celui de la navette parce qu'il est vraiment long. C'est une grosse perte de temps.
Ah putain, ça c'est vraiment le genre de hit à la con que je voulais éviter. Je me suis compliqué la tâche inutilement, il y en avait un qui était pas compliqué à aller chercher là. Allez, la bombe à eau, c'est parti. Merde, je crois qu'elle est. Non, elle est pas requise après en fait. Donc ça va. Par contre, on a besoin. Ah, et la suivante, elle est obligatoire par contre. Ouais, niveau course au trésor, c'est du bon challenge, ça je suis d'accord. Hein. Je rêve ou j'ai... Ah oui, mais non, c'est bon en fait. Ce que je fais, c'était le bon move. Bon, j'en aurai 5, mais il y a vraiment... Il faudra vraiment qu'il y ait un niveau... Ah, après, il y a un niveau, je sais. Le niveau suivant, je devrais grave le gérer en fait. Le niveau suivant, je pense que je vais tous les choper, ça va grave m'aider. Bienvenue à D2D2, merci pour le follow. Alors il y a des drops de framerate, ouais il y en a quelques-uns quand même. Et ouais, c'est complètement Kirby Sunshine ce passage, vraiment. Donc là normalement, ce niveau, ça m'en fera 6 si je dis pas de conneries. La version artistique est digne des standards de Nintendo, c'est superbe, je suis à la fin, j'en prends plein les yeux. C'est vrai, c'est très très vrai. Il est vraiment... non mais... C'est un régal pour les mirettes parce que c'est vraiment... sans être d'une beauté à tomber, c'est joli quoi. C'est joli, c'est... La DA est cohérente et puis c'est soigné comme jeu, c'est vraiment soigné. C'est beaucoup plus joli que Pokémon Arceus en fait. Alors ça c'est le niveau, normalement je dois peut-être toutes les choper. Si je dis pas de bêtises. Je pense que je vais tout aller les choper sur le niveau suivant. Donc là j'en ai 6. Parce que si je les chope tous au niveau suivant, je serai à 16. Et du coup il m'en faudrait plus que 5 après. Ouais c'est bon, ça serait... Il y en a une qui n'est pas nécessaire. En fait là je chope, je sais ce que je fais. Il y en a une que je skipperai. Mais les deux derniers niveaux comme ça j'aurais juste besoin de les finir. Bon allez, on va essayer de faire un joli chrono. On va essayer de faire un sub 18. Je crois que j'ai un record en 17-6, un truc comme ça. Mmh. 17-2 même, ouais carrément, là, c'est peinard, ça passe tranquille. D'ailleurs les gens qui l'ont déjà fait, c'est quoi vos records sur ces parcours là? Ah putain saloperie. Fait des brouettes, 17-5, 17-5 c'est joli hein, franchement, GG. Je pense qu'on peut faire en dessous de 17 à mon avis, hein, sans aucun problème. Ça m'a l'air franchement faisable. 17-04, joli à cela, très joli. Je suis pas mécontent de mon move là quand même, parce que ça a été limite. Hein.
Bonsoir Vagabond, bah en fait le jeu je l'ai depuis longtemps, vraiment longtemps. Je l'ai fait deux fois à 100% pour une Solus, donc franchement oui je suis à l'aise avec. Normalement si je gère bien j'arrive en voiture. J'arrive en invincible en voiture, ce qui est très drôle. Donc celui-là je vais le skip, hein, il sert à rien. Donc là je sais que j'ai déjà réussi à faire un sub 40. Voilà, l'invincibilité s'arrête ici. Et là donc c'est plein de skips ce passage. C'est plein de skips à gogo, vraiment. Voilà, je vais faire peut-être en 38. Ouais, 38-6. C'est là où on sent les joueurs de SMK. Ah non, mais moi, c'est tellement à ma cam, ce genre de truc. Hein. Les skips sont prévus et même nécessaires. C'est ça, de toute façon, on le voit. Hein, Ah, j'aurais dû skip la figurine. J'ai été con, la figurine, elle va me faire perdre du temps sur le timer, c'est dommage. La figurine, c'est vraiment con. Les figurines, faut pas les prendre. Hein. C'est le même délire que les fleurs qu'il faut éviter dans Yoshi. Des glitches qui ont été découverts, c'est une excellente question user, je ne sais pas du tout. Pour le coup, je me suis pas renseigné sur la question. Mais c'est possible qu'il y en ait, hein. J'ai vu des chronos qui m'ont l'air bien pétés. Sur les... Quand on voit les leaderboards. Bonsoir Borskills. Après, les chronos que j'ai vus sur les boss, je pense savoir avec quel pouvoir ils l'ont fait. Il y a un pouvoir qui, en fait, flingue complètement les défis chronométrés. Donc ce niveau est très très chouette. Par contre il est long. Il va être long à faire. Ah c'est bien, au moins on peut les contourner. Oh mais niquez-vous. Je cherche un cadeau à faire. Ah bah c'est une bonne idée de cadeau. Hein. Franchement quelqu'un qui a envie de se faire un petit platformer mignon sur Switch sans grosse prise de tête. On peut passer là ou pas? Ouais on peut passer, c'est cool. On peut voir les chronos en jeu, tout à fait. On peut... bon, c'est un mini-spoil. Je vais pas te dire en quoi faisant, mais à partir du monde... 2 au début du... Ou à partir du 3, je sais plus. En tout cas, en finissant soit le monde 1, soit le monde... Non, c'est en finissant le monde 2, je crois. C'est quand on a accès au monde 3. Alors là, c'est le moment où il faut le connaître par cœur, pour pas perdre de temps dans un speedrun. Et là, il n'y a pas moyen de contourner, je pense. Ça, c'est un saut qui serait trop risqué. En vrai, le saut, il vaut peut-être le coup d'être fait, parce que vu le temps qu'on perd... Ah, j'ai un vieux doute, donc ouais, j'allume un coup, parce que... En même temps, allumer un coup pendant qu'on marche, ça fait rien, ça fait pas perdre de temps, j'ai l'impression. Ce qui est une perte de temps, c'est de s'arrêter, en fait. Il y a moyen de le faire passer, là? Non. Ah, ça passera pas. Ça, par contre, c'est une grosse perte de temps. Ah, ça pue, ça. Et la figurine en plus que je devais pas prendre. Ça c'est le premier moment du jeu où je perds du temps. Vraiment. Enfin, il y a eu d'autres pertes de temps mais pas aussi claires que celle-là on va dire. Salut Storm, t'as fait le 100% de Kirby et t'as kiffé? Normal. Normal, c'est vraiment un chouette jeu. Enfin, vraiment je passe un super moment dessus. Hein, franchement.
C'est assez reposant à faire en vrai, hein, en mode speedrun. C'est pas très prise de tête. Mais les pertes de temps sont vraiment faciles par contre, c'est le problème. Ah putain, on est obligé d'être en distributeur. On peut pas skip le distributeur. Ah ça, je l'avais pas vu venir. Je pensais qu'on pouvait... On était pas obligé de le faire, mais si. Bon, tant pis. Salut Ours, comment ça va? Bonsoir PQP, est-ce que comparé à Yoshi, il est mieux comparé à Crafted World, je suppose, tu veux dire, du coup? C'est deux jeux qui sont assez comparables, effectivement, donc je pense que c'est pertinent de les mettre en opposition. Pour moi, c'est un meilleur jeu que Crafted World, pas de beaucoup. Crafted World, après, je l'ai trouvé très bien, mais Crafted World, il a une façon de forcer la rejouabilité que je trouve assez médiocre, vraiment. Ils ont pas du tout fait en sorte qu'on puisse cumuler tous les objectifs en un seul niveau, et je trouve que c'est mal foutu. C'est-à-dire qu'il y a une rejouabilité dans Crafted World qui est très intéressante, c'est de faire les niveaux en verso. Ça, c'est très bien. Mais devoir se retaper l'intégralité... Lui, j'ai pas besoin, du coup. Voilà, en plus, c'est bon, j'ai eu ça. Mais ouais, devoir se retaper l'intégralité des niveaux, si on veut vraiment faire tous les objectifs, je trouve que c'est pas ouf. Voilà, c'est ça, le 100% du chic qui demande de refaire le niveau 5 fois, c'est vraiment dommage. Dans Kirby, est-ce qu'on peut faire des groupes pour les gachas dans la bibliothèque de la Switch? Ah, les groupes dans la bibliothèque de la Switch, putain, mais quelle douille, mais quelle douille! Je pense que vous m'avez rarement vu autant critiquer Nintendo sur un truc que dans les Amiraux aujourd'hui à ce sujet. Non mais c'est vraiment une honte ce truc, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Ouais, j'ai été salé parce que franchement je trouve ça dommage. C'est une feature qui est... Bon déjà qui devrait être là depuis le début, vraiment, pour le coup. C'est une feature qui est cool, que les gens demandent, et le moment où ils la sortent, elle est complètement claquée, elle sert à rien, c'est... Bah, c'est-à-dire que les groupes, en fait, c'est pour regrouper les applications et les dossiers, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas des groupes, c'est des dossiers. Mais ouais, dans la gestion des dossiers sur la Switch, c'est de la grosse blague, vraiment, c'est nul. Très très décevant. Alors ça, c'est un niveau où je pense que les pertes de temps sont possiblement très fréquentes. Ouais, à commencer par ça, voilà. En fait, j'aurais pu carrément cut là. Ah, mais il y a beaucoup de trucs qui étaient mieux sur 3DS que sur Switch. Hein. Là, puis il y a des features cool de la 3DS qui manquent. Hein, on va quand même pas se mentir. Le Street Pass, c'est un truc qui était vraiment chouette. Et c'est dommage de pas avoir gardé un truc similaire sur Switch. Mais bon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça va. Ah, je suis con. Je suis très con. Il y a beaucoup plus simple. Voilà. Ah, ça passe pas, ça tient. Bon, ok. Enfin, je skip tellement de trucs là, ça me fait bizarre. Je sais même pas comment je prends pas de vitesse. Franchement, ce niveau on peut le tracer, c'est ouf. Surtout qu'en plus avec la tornade, c'est vrai qu'on va vite. Est-ce que je suis à 59 minutes pour voir si je suis toujours dans le même rythme? C'est la question. Je suis à 1 heure, voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment. Le rythme est de monde en monde, il est quasiment similaire.
Et le tamis sans marcher dans la boue, il est pas voulu, hein. J'ai même pas cherché à l'avoir. Donc on a passé l'heure de jeu, depuis quelques secondes. Donc normalement je dois en avoir 22 ou 23 je crois. Regardez si tu as pu filer les pièces de puzzle à la fin. Bah ouais mais Nintendo. Ils allaient Nintendo, ils font pas la charité hein. Ouais, je crois que je dois avoir... J'ai plusieurs 3DS avec tous les puzzles. Allez, on va le faire avec l'explorateur pour changer un peu. Alors c'est vrai que du coup, j'ai pas l'explorateur amélioré avec mes conneries, mais bon, c'est pas grave. On va quand même le faire. Ça va être un peu long du coup de battre Misty Griff avec l'explorateur de base, mais au moins on pourra peut-être essayer. Ah, quoique le sub... je sais plus si c'est sub 2 ou sub 1.30. Ça marche mes amis, bah pas de soucis. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller plus loin, ça se comprend très bien. Je suis vraiment débile. Bah je lui ai donné là du coup le no-hit, là je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il est pas sérieux. Ah, il lui restait plus qu'un coup à mettre, c'est vraiment très con. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça passe, hein, voilà. Et le boss qui fait meurt quand il meurt, c'est très drôle. Est-ce qu'il va encore me dire que t'as skippé le plan? Oui, j'ai skippé le plan, je suis au courant. Oui, il m'en tape. C'est bon. Je ne compte pas prendre les plans, c'est volontaire. Je n'améliore rien. J'ai juste amélioré un pouvoir depuis le début du jeu. Un seul, parce que c'était gratos. Je me rends compte qu'il y a des boss, ça va être fun. Hein. Ça va être fun sans les améliorations de pouvoir. Il faudra que je fasse tout avec le feu, en fait, vu que c'est le seul pouvoir que j'ai amélioré. Ouais, je m'en fous, j'ai amélioré les trucs, super, m'en tape. On se tient du coup pour les gens qui n'avaient pas fini le monde 3 et qui du coup découvrent ces trucs là. Ah, je viens seulement de franchir la barre des 50. Ah, attendez, non, j'ai les 60 aussi quand même. C'est pas sûr que j'ai les 60, hein, si je les ai. Bon, de toute façon, ce truc se serait débloqué automatiquement au bout d'un moment. Par contre, c'est pas sûr que les 140 et 150, je les ai à temps. Donc ces trucs-là, évidemment, je n'y jouerai pas. Putain, le nombre de trucs qu'on unlock, c'est long, les changements entre chaque monde. Une frustration sur Kirby, c'est qu'il y a le bon analyse, qu'il y a le pouvoir lance, mais on peut pas l'avoir pour Kirby, c'est vrai.
Je peux pas zapper cette queue de cygne, je m'en rends compte. Il n'y a pas de bouton pour la zapper. Bon, elle est pas très longue, mais... J'ai absolument plus de vie, je suis low life avec un pouvoir de merde. Faudra que je fasse gaffe, parce que pour l'instant c'est du Deathless, mais je suis en train de le mettre un peu en péril, mon Deathless, là. Alors là, par contre, je crois qu'il faut 23 dans ce monde. Ce qui veut donc dire 6 par niveau, hein. On va suivre cet objectif. Eux, ils sont sur la route, on va faire ça. Ah oui, il faut les détruire quand même. Un peu de boost, ça fait du bien. On va prendre la petite route à gauche, là, comme ça, ce sera fait. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller au bout. Voilà. Ça, c'est pour une figurine, je crois. Ouais, voilà. La mix du thème de Meta Knight est très cool, ouais. De toute façon, les thèmes repris qu'on connaît déjà, ils sont vraiment chouettes. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas une saga que je connais très bien, Kirby. Donc du coup, il est possible que je passe à côté de certains easter eggs sonores, c'est possible. Oui, malheureusement, c'est vraiment pas une licence Nintendo que je connais le mieux. Hein. C'est un pouvoir feu, pourquoi je le récupère pas? Je suis vraiment teubé en fait. On va récupérer celui-là, sur en avoir un rapide. Voilà. Merde. Lui Kirby grâce au lore notamment qui m'a passionné pour Kirby. C'est vrai que techniquement il y a quand même un minimum de lore dans Kirby, c'est vrai. C'est pas la saga la plus profonde qui soit, mais on sent qu'il y a un soin qui lui est apporté quand même à cette série. Hein. Elle est pas anecdotique quoi. Récupérer mon feu, ça va me faire du bien. Oula. On va aller récupérer ceci à gauche, ça en fait une facile. Voilà, les pièces, on s'en fout. Ah non, dommage. Mais ouais, je me rends compte que les niveaux ont quasiment tous la même longueur. Hein. Coucou PJ. Bah en vrai, je compte le soumettre à speedrun.com. Hein. Pour de vrai. À moins que je choque complètement sur la fin, parce que pour l'instant, je trouve que je me démerde pas trop mal. C'est pas du niveau speedrunner. Mais je pense que je fais une prestation qui est honnête, on va dire. Alors j'en ai 7. J'en ai 7, il faut qu'on soit à 23, donc ça veut dire 16 sur 3 niveaux. Ouais, 5, 5, 6, ouais. Ouais, je peux passer n'importe quel temps, mais bon, après, faut pas qu'il enfreigne certaines règles, quoi. Si le speedrun, il a besoin de règles en... Enfin, il a des règles spécifiques.
Alors il y a déjà des speedruns de mecs qui l'ont fait en 2 heures, il y a peut-être même du sub 2 heures qui traîne, hein, c'est possible. J'ai tapé Kirby and the Forgotten Land speedrun, j'ai vu un 2h02 qui traînait sur YouTube, mais il y a peut-être mieux. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à ce qu'on trouve sur YouTube, à me dire si vous voyez mieux que 2h02. Parce que moi j'ai vu 2h02, mais il y a peut-être des mecs qui font largement mieux déjà. Hein. Possible. Parce que vraiment, il y aura rien d'optimisé dans ce que je vais proposer, donc... Ah putain, saloperie. Perte de temps de ouf là. Alors oui, Elden Ring, il y a des mecs qui finissent en 18 minutes maintenant. 1h46, Kirby. Ouais, ça m'étonne pas. Alors il y a deux passages secrets à trouver, donc les 5, ça va être très rapide dans ce niveau. Ah, quoique j'ai pas le marteau. Attendez, on va switch pour le marteau parce que je vais avoir besoin de ça pour un des passages secrets. Arceus 3h56, ouais, non, mais les speedruns de Pokémon, c'est ouf quand même, c'est ouf. Alors je sais plus s'il faut que j'aille dans le passage, mais dans le doute j'y vais. Voilà. Donc là on va tracer, ouais je serai à 6, c'est bon, je serai à 6 avec le passage secret suivant. Ah mais non, ça en fait un seul, ça compte pour un seul, ça je suis con. Je vais aller chercher, je suis sur les plateformes à la fin si c'est bien là où je pense. Regarde, si je veux être safe, il m'en faut un de plus quand même. Je m'en fous d'être en bâton, c'est pas ce qui compte, c'est comme si j'allais par là. J'ai très content à la fin du post-game, du post-game de Kirby, tu veux dire. Ah merde, je l'ai fait trop tôt. Merde. Ah, petite heure de jugement, je croyais que c'était une échelle, mais non. Donc là, je crois qu'on n'a plus besoin. Allez, celui-là. Donc là, ça m'en fait 6. Ah, je vais quand même assurer celui-là. Comme ça, je serai vraiment, vraiment tranquille. Oula, oula, oula. Ouais, ouais. C'est compliqué. Ah, c'est bon, il n'y a vraiment pas besoin de faire plus. Ouais, je sais pas s'il y en a beaucoup. Ah bah oui, si Sport Botanique t'as fait le 100%, mais je trouve vraiment que ce qu'on peut considérer comme le dernier défi du jeu pour moi est chaud, vraiment. C'est à dire que si vous utilisez ni amiibo ni mode facile, c'est une belle perf, vraiment, de finir le dernier défi. Enfin, d'ailleurs, ni amiibo ni. Je vais pas spoil, je vais juste dire ni ce qu'on peut récupérer avec les amiibo mais in-game. Parce que oui, concrètement, ce que les amiibo vous offrent, c'est des trucs que vous pouvez aussi récupérer in-game. Mais bon, j'en dis pas plus. Parce que bon, après, ça révélerait trop d'informations sur qu'est-ce que ça peut être, dans quelles conditions ça peut être. Est-ce que ça vaut le dernier défi de 3D World? Alors, c'est absolument pas comparable. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est pas comparable. Mais on va dire qu'il faut pas les mêmes skills pour réussir ce truc que réussir le dernier défi de 3D World.
C'est vrai, parce que j'ai envie de tout choper dans ce niveau. C'est pas nécessaire ce que je fais en vrai, mais au moins comme ça, je sais que j'assure. Là, je vais assurer les 5, déjà. On a plus de hub dans les Mario 3D depuis Galaxy, effectivement. Parce que Odyssey n'a vraiment rien qui fasse office de hub. On va pas considérer que le vaisseau est un hub. Hein. Ah, dommage, celui-là. Là, ça, par contre, on va le skip. Hein. Ah putain, ça c'est vraiment un hit stupide. Qu'est-ce qui fait pas comme nouveau Mario? Moi je continue de croire en un Mario Odyssey 2. Hein, c'est... Les Galios, un rug du coup. Ouais, bah j'essaie de speedrunner les Kirby, je me dis que ça peut être marrant. Oh, celui de dégueulasse. Ah, mais j'ai plus mon feu, merde. L'exploration du château de Mario Odyssey, c'est génial, c'est vraiment génial. C'était inattendu, vraiment, pour le coup. Comment ça s'appelle le... Les fils sont vraiment là, on sent qu'ils veulent marcher à fond sur la nostalgie à ce niveau-là, et c'est ouf, c'est vraiment ouf. Normalement, 5 ou 6 doivent me suffire, mais je vais essayer d'en choper 6 pour être safe. Alors, je vous préviens, je vais spoiler, je vais vous montrer probablement l'un des défis qui est les mieux cachés du jeu. Parce que ça va être le seul niveau du jeu où il y a un truc planqué dans la séquence d'intro, en fait. Alors, c'est un petit détour qui fait perdre du temps, mais je peux vous assurer que pour aller choper un Waddle Dee, c'est probablement ce que j'ai de plus rapide à faire dans ce niveau. La musique du pont qui est ultra jazzy, elle est dingue, elle est vraiment dingue. C'est vrai que je me rends compte que les pouvoirs non améliorés, c'est un petit peu un problème. Ah putain, non. Est-ce que c'est le Brooklyn Bridge? C'est vrai qu'il y a un petit air, ouais. Elle a fait tellement mal celle-là, la vache. Là, je vais prendre son épée à la place, ce sera mieux. Est-ce qu'il est possible qu'ils ajoutent une difficulté via une mise à jour? C'est une excellente question. Je me rends compte que j'ai un moyen simple d'en récupérer une rapide. Ah non, je suis con, j'aurais pas dû faire ça. Je sais ce que je vais récupérer pour la cinquième. Mario Odyssey est un Kirby. Ouais, il y a un peu de ça en vrai.
Ah dommage, j'ai tenté un truc qui n'a pas marché. Bon ça va, Plumerine, je l'ai un peu défoncé. Je m'en fous de récupérer sa tornade, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'aurai du feu plus tard de toute façon. Bunker, je viens d'en avancer ça, ouais. De toute façon, Bunkers, on peut le défoncer à la fin avec un truc bien particulier. Allez, vas-y, balance tes machines, là. Il balance ses pommes de pin. Avec les pommes de pin, je le défonce. Ouais, j'en ai raté, c'est dommage. Voilà, ça c'est celui qui fait que je chope, comme ça je serai bien à 5 et on sera bon. Alors là, c'est le moment où il va falloir être prudent, parce que ces deux boss là, je vais pas chercher à le faire en no hit, hein, même si c'est un objectif. Mais on va essayer de pas faire n'importe quoi, parce que normalement je suis censé avoir le feu draconien à ce moment là déjà. Forcément c'est beaucoup plus lent de les battre. What? Putain, il m'a avalé ce bâtard. Bon allez, crever, c'est bon là. C'est n'importe quoi à la fin, ça ressemblait plus à rien. Mais ça passe. Mais normalement j'ai tout ce qu'il faut. Si vous voulez de la difficulté, laissez les pouvoirs au minimum, c'est ça. Donc est-ce qu'on est toujours dans les temps? On est à 1h23, donc c'est un peu plus long. Le monde 4 a été un peu plus long. Après il y a eu beaucoup de trucs dans la transition entre le monde 3 et le monde 4. Il y a eu beaucoup de cutscenes non skippables, donc ça a joué. Mais c'est vrai que je prends toujours comme point de repère le temps avant de faire le boss, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est voilà. C'est le speed que je me suis mis en tête, donc je pense que je serai à ouais, 1h. C'est-à-dire que 1h46 du record du monde, c'est ce que j'aurai avant de commencer le dernier monde, quoi. Bon, je précise pour les gens qui seraient pas encore arrivés là, ça spoil. Ce boss spoil. Voilà. Vous saurez, j'aurais prévenu. La Elden Ring version de Kirby. Non mais c'est vrai qu'il y a le petit côté
Parce que Heidi Miku, d'ailleurs, quand elle a vu ce boss la première fois, elle m'a dit on fera un décor à la Dark Souls pour ce combat. Oh merde, je suis à une mauvaise endroit, moi. Ouais, je m'en tape complet, elle a vraiment la vie. En soi, tu fais un Kirby Open World, tu es Elden Ring. Ça n'a aucun sens. Allez, on va encore skip le plan. Et oui, je sais, j'ai skippé le plan, j'en ai rien à foutre. Les gros plot twist. Je pourrais faire la danse de Kirby en finissant le level. Ouais, mais je connais pas la Corée. Allez, là par contre, on peut directement enchaîner sur le monde 5. On n'attend pas. Donc là, il en faudra 25. 7, 19, 21. 23, 25, c'est ça, 25. Donc on vise le 6 par niveau, hein, on se fait pas chier. Par contre, ça devient un peu risqué là. Ouais, c'est le niveau le plus ouvert du jeu, je trouve. Il m'avait assez surpris. Surpris, bah, dans le bon sens, hein, forcément. C'était cool d'avoir un niveau qui soit celui le plus ouvert comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans celui-là. Putain, j'ai réussi à perdre une vie. Je suis trop con, j'ai absolument complètement pas du tout géré ma jauge de vie, c'est débile. C'est vraiment, mais c'est abyssal de bêtises. Du coup, je découvre où sont les checkpoints, c'est génial. Est-ce que mon objectif, il est toujours en cours? Ouais, j'ai une cible volante, c'est bon. Ah, c'est honteux, vraiment c'est honteux. Attendez, mais j'ai visé n'importe comment. Hein. Fallait jouer en brise, bah oui. Non, on joue pas en brise. Par contre, ça m'intrigue, j'en ai loupé un et j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas là. Ah, c'est pas le coffre au début. Du coup, c'est le coffre. C'est ça. Je suis vraiment bête. Bon, c'est le premier niveau où je fais une connerie. Fallait que ça arrive, hein. Il y avait tellement de soins à récupérer là, c'est en fait. Je veux Kirby voiture dans le prochain Mario Kart, c'est vrai que ça serait cool. Hein. Oh merde. Je me suis mis dans une merde, mais alors incroyable. Que ça passe, ouais ça passe. Bonsoir Succnet. Ah oui, la dernière c'est un battant plus marine, c'est vrai. Oh, mais c'est long, c'est long. Est-ce que je le fais ou pas? Pff, sens trop tard. Mais tant pis, hein.
Ah mais l'aiguille c'est vraiment cheaté contre elle. Hein. Parce qu'en plus là c'est l'aiguille de base que j'utilise donc vraiment pas un gros mérite quoi. Ouais, je suis pas satisfait de ce niveau, c'est vraiment... Les productions d'étoiles sont assez puissantes, hein, franchement, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est marrant, c'est-à-dire que du coup, les ennemis nous donnent littéralement de quoi les battre, en fait. Mais ouais, l'aiguille, c'est un pouvoir, quand on l'améliore bien, il est grave pété. Bon, là, pour l'instant, il est faible, donc je peux pas en avoir une grande utilité, mais... Ah ouais, bah fuck. Hein. Ah, quoi qu'attendez. C'est quoi derrière? Ah, ouais, non. La petite hésitation qui me coûte un peu cher, mais tant pis. Ah, mais dégage. C'est vraiment le seul... Pour l'instant, c'est le seul niveau où j'ai fait vraiment n'importe quoi de bout en bout. Il y en a qu'un. Hein. Non, pas sérieux là. Alors j'aime beaucoup ta théorie pour l'inspiration de Kirby parce qu'ils étaient très drôles. J'en ai 6. Il dit qu'il m'en fallait 6 par niveau, donc c'est bon. Si j'en ai 6 sur les 3 premiers, je pourrais même me contenter de 5 dans le dernier. Attendez, c'est 23 ou 25? Je sais plus. 17, 19, 21, 21. Non, c'est 25, donc non, faut que j'en ai 7 dans les niveaux suivants. Faut que j'ai 7, 7, 6, 5, ouais. En fait, 3 fois 6 et 1 fois 7, c'est ça. Merci Bello Rosso pour le follow, bienvenue à toi. Et oui, tout à fait, ours, effectivement, c'est la moitié de 46, c'est une bonne remarque. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ce pouvoir il était prévu que je le perde d'une manière ou d'une autre. Oh putain, alors ça par contre, est-ce que ça passe derrière quand même? Ouais, ça passe, ok. Donc ça c'est un objectif vraiment obligatoire si je veux de toute façon avoir une ouais, de vie. Donc j'ai dit qu'il m'en faut 7 dans ce niveau. Hein. Putain, ça m'a rien rendu en plus cette merde. Ah si, un peu quand même. Bon, ça m'en fait 2, faut que j'en trouve encore 2. Et le serpent est toujours là, par contre je vais me marrer en sortant. Attends, petit. Sommeil, le meilleur pouvoir. Comment dire?
Ouais, non, je vais pas faire le détour. Le détour est une perte de temps. Même s'il y a deux Waddledy, je crois, à récupérer, ça sera plus simple à faire à la fin du niveau. Ah, en vrai, on s'en fout de ça. Celui-là, faut pas le louper, le tout petit qu'il avait à la fin, parce qu'il est nécessaire. Parce que l'objectif consiste en fait à creuser tous les trous. En plus de livrer le Waddledy. Ah non, je suis à 7 quoi qu'il arrive. J'ai vraiment pas la route la plus optimale en tête, hein, mais au moins comme ça je sais que j'assure le bon nombre, quoi. Je sais plus combien j'en ai eu dans le premier niveau, si c'était 6 ou 7, j'ai un doute. Je crois que c'était 6. Hein. Oui, puisque j'avais dit 6 x 4, 24, et ça suffira pas. Donc j'en avais eu 6 dans le premier niveau. Là j'en ai 3, 6, 7, 8. Ouf, j'en ai 9. Donc ça veut dire que j'en ai 15 sur les deux premiers niveaux, du coup. En même temps, j'ai pas le total qui s'affiche quand je suis sur la map. Je crois, hein. Ouais, j'en ai 15, c'est ça. Donc en fait, il suffira juste que j'en récupère une bonus, et ça suffira. Donc je vais tracer les trois derniers niveaux. Hein. Ah mais attendez, non, il reste que deux des niveaux, je suis con. Donc 15, ça veut dire... Non, faut que j'en ai 5 dans chacun. Je dis des conneries. Faut que j'en ai 5 dans chacun des deux niveaux restants. Ouais, j'ai une idée d'où je vais le faire. Merde, c'est pas là que je voulais aller. Donc il y a celui-là déjà qui est simple. On ne va pas faire toutes les transformations par contre dans ce niveau, ça sert vraiment à rien. On fait que celles qui sont nécessaires et on trace. Pas ce que je voulais faire.
Ah oui, non, mais d'accord que l'auto-avaler, c'est une idée de merde. Hein. C'est vraiment à... retirer à tout prix. Donc là, c'est bon. Ah, j'en ai là, j'en aurai largement 5. Parce que j'en ai eu 2 bonus. Si je m'occupe des glaces, je serais même encore plus safe. Voilà, je vais terminer le niveau en roue libre, hein. C'est bon, j'ai juste une glace à choper au passage. J'ai fini le jeu aujourd'hui, mais le 100% est trop relou, j'aurais pas le courage. Pourquoi est-ce que tu te trouves trop relou? Tiens, ça m'intéresse. Je suis curieux. Non, j'en ai plus que 4 à prendre dans le niveau suivant, si je dis pas de conneries. Alors, 100% des trucs qui sont pas comptés. Le 100%, moi j'ai l'impression, si je dis pas de conneries, qu'il nécessite d'avoir toutes les figurines. Hein. Ah merde, il y avait pas de cutscene. Ah oui, les objectifs de temps ne sont pas nécessaires, ça je confirme. Pour avoir fini le jeu à 100%, j'ai pas tous les objectifs de temps et je confirme. Vraiment, ils ne servent à rien, c'est que de la motivation en fait, les objectifs de temps, vraiment. Je pense que la partie qui suit, on peut la faire sans l'ampoule, mais ça va être le bordel à faire. C'est en mode par cœur, quoi. Merde, ah si, il y a besoin de tout upgrade, G-Blood. C'est indispensable, si tu veux les 100%, c'est indispensable. Ah, mais oui, on peut pas voir la porte sur la lumière, c'est vrai. Après, du coup, c'est con ce que je dis. Non mais quel débile. Et puis en plus ce truc qui est arrivé après, trop bien. Bon c'est bon, du coup j'ai même pas besoin de me faire chier avec les affiches. Ah oui, le renforcement n'est pas obligatoire, oui ça je suis d'accord, pardon, excuse-moi. Quand t'as parlé des upgrades, j'ai pensé que c'était à ça que tu faisais référence, mais oui, dans les renforcements sont complètement facultatifs, effectivement. J'ai mal géré, très mal géré la caméra. J'ai pas du tout vu où j'allais. Très con. Cool.
Merde, n'importe quoi. T'as combien des figurines, Luigi? Oh mais non, mais comment je fais pour me prendre des hits ici, moi? Passage du Congressing ou ce passage Star Wars Racer aussi. Hein. Bonsoir Max, comment ça va? Ah oui, 133, effectivement, oui. Il te reste encore du boulot. Dans l'Oriac, il y a des vieux ici, il y a toujours des vieux sur mon stream. La moyenne d'âge sur mes streams est toujours élevée. Pile 4, c'était rempli ce qu'il fallait, on a pile 25. Vous savez que j'ai jamais vu à quoi ressemble l'écran de... quand il en manque. Je sais pas comment ça apparaît. Allez, ça c'est un bon boss à la con. Effectivement, je suis à 1h49, donc ouais, c'est... Alors, voilà le boss qui m'a le plus fait chier de tout le jeu pour tenter d'avoir les objectifs en même temps. Là, je vous dis direct, je chercherai pas. Parce que j'ai même pas le bon pouvoir. Enfin, si, le pouvoir est là techniquement, mais ça va être horriblement long avec, parce que c'est un pouvoir que j'ai pas fait évoluer du tout. Petit spoiler. Ah, mais c'était 1h46 au pif que t'as dit, Ours. D'accord, je pensais que c'était... Alors du coup, est-ce que quelqu'un a vu mieux que 2h02? Bon, de toute façon, je pourrais pas faire aussi bien que 2h02, hein, c'est impossible. Par contre, Tatoufou, il est très très drôle au niveau des animations, ça je suis d'accord. J'aimerais comprendre pour quelle raison j'ai pas pu faire mon... Y'a rien sur speedrun.com, je sais. C'est pour ça qu'en fait, le seul truc que je peux me fier, c'est des vidéos YouTube. Et pour l'instant, j'ai vu 2h02, mais j'ai pas vu mieux. Ils sont peut-être faits en mode facile par contre, oui. Surtout ils sont faits en mode facile avec Amiibo en plus. Bon, par contre, je vais peut-être arrêter de faire l'andouille. Là, je suis en train de me... grave me compliquer la tâche là, vraiment. En fait, ce boss là, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer comme ça.
va pouvoir passer, mais alors ça va être chaud. Yes, ça va passer. Ah mais il était encore en train de cramer tout seul, j'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe qu'il était encore en train de se cramer, ce con. Donc en fait, j'ai même plus eu besoin de lui mettre de hit, il est mort tout seul. C'est puissant le feu, vraiment, pour ça. Hein. Et encore, là, j'ai pas le feu draconien, donc... Tiens, il m'a pas dit cette fois... Ah mais oui, ce jeu est... C'est malin, en fait. Il me dit pas du tout, tu as loupé le plan. Pourquoi? Parce que le final n'est plus avec moi. Donc il peut plus me donner de conseils, en fait, à ce moment-là du jeu. Oui, il y aura certainement différentes catégories de run, certainement. Je sais pas quoi on pourra s'attendre, mais... Donc on est à combien là? On est à 2h, non, on est à 1h53, voilà. Mais bon, vu ce qui reste sur le dernier monde, si je le fais en moins de 2h30, je serais content. Et puis en plus, je vais avoir plein de passages par le village avec des unlocks, allez, on est content. En train de continuer à vouloir skip une cutscene qui était déjà partie. Je suis vraiment... je suis à la masse. Mais vraiment. Ah oui, j'ai absolument plus de vie. J'avais pas pensé à ça. Et c'est même pas le bon copier-coller. C'est génial. Bon, c'est pas grave. Donc là, faut que j'en ai 6 par niveau. 6 par niveau et même 2 bonus. Donc on va essayer d'être attentif. Genre, on va s'occuper des... Nos amis, les... Ah. Et c'est de la bouffe, là. Ouais, c'est de la bouffe. Mais non, ça les capsules, j'en prends pas. Donc ça, ça en fait un. On va s'occuper de celui-là. Ah mais il est méga détaillé comme jeu, hein. Franchement, il est très très soigné, je trouve. Oh, par contre, ça, c'est mauvais, c'est très mauvais. Oui, alors par contre, je voulais pas dasher dedans en fait. Oh putain, la blague. Non, mais. C'est effrayant parce que la blague de PJ, je suis obligé de la valider. Alors qu'elle est consternante, hein, comme d'hab, mais en vrai, elle passe. Et je vous la cite parce que voilà. Il demande d'où vient Kirby, la réponse, de Laval. Voilà. Non, moi j'aime bien, c'est... Ça passe... Ah, ça passe pas, dommage. J'ai essayé de le faire en speed, mais non. C'est nul, mais j'ai... Mais voilà, mais on a tous rigolé parce que c'est... Je suis désolé, moi je trouve ça très drôle. Eh oh, rends-moi ça, toi. Donc ça, dans mes souvenirs, c'est une capsule. J'ai pas fait gaffe à combien j'en ai. Je crois que je dois déjà être à 6. Ah non.
Bon, après, le dernier est pas très dur à choper, mais... Donc ça, faut savoir, toutes ces boules de feu, elles font partie d'un objectif, hein, pour le coup. Donc j'en profite d'ailleurs pour préciser... Ah putain, non, par contre, ça c'est très con. J'en profite pour préciser aux gens qui ont le live en fond, en m'écoutant juste... Ah, mais ouais, mais en fait, faut les buter, les boules de feu. Oh, ça c'est con. C'est un très mauvais move. Je serais quand même à 6, mais du coup, ouais, faudra que j'assure sur le reste. Hein. Ouais, donc je dis pour les gens qui ne font qu'écouter le live et qui ne regardent pas, je suis dans le dernier monde du jeu, donc si vous n'avez pas atteint le monde en question, évidemment, ne regardez pas. Hein. Donc ça fait un 2... Ah, en vrai... 3... Ah, si, j'en ai 7 quand même. On est 7, bon. Donc 7, c'est une bonne base, parce qu'il faut que j'en ai... faut que j'ai une 3 niveaux à 7... Et... Non, 2 niveaux à 7 et 3 niveaux à 6. Donc ça va. Mais les transitions entre chaque niveau sont tellement longues. Au cumul, je sais pas combien de minutes ça représente, mais ça doit vraiment être énorme. Du in-game time, il doit vraiment pas y en avoir beaucoup à côté. Hein. S'il y avait un compteur à la Metroid... Alors ça, c'est un défi très simple, qui en plus nécessite de bouffer, donc c'est une très bonne chose. Oh non, je pensais qu'il y en avait que deux. Il n'y a pas de feu, non? D'abord, il n'y a pas de feu, sinon c'est pas marrant. Oh, mais je l'avais pas vu. Quel boulet. Par contre, on va aller chercher celui-là. Hein. Veut ta mort dans ce jeu. Ah, mais quand on arrive à la fin, il est plus costaud qu'il en a l'air. Hein. Ah, on peut pas l'éviter cette capsule, j'ai l'impression que j'ai essayé de... Par contre, pour le boss après, en vrai, le mini-boss, ça va être chiant. Il va me massacrer. Ah, en vrai, non. Ouais. Je me prends bien. Ah, ouais, non. Faut que je laisse aller faire ses conneries. Ça va passer, mais alors tellement juste. Ah, c'est pas dit, c'est pas dit si c'est bon. Mais alors vraiment, vraiment limite. Hein. Oui, c'est lequel le pouvoir là. Merci. Je la glace en fait. J'ai avalé les deux d'un coup, c'est dégueulasse. Ah, je me suis fait complètement voler là. Je voulais mon pouvoir glace. Putain, j'ai avalé les deux pouvoirs d'un coup, le jeu a décidé de m'en finir. Bon, ça parce qu'il y a une glace après, mais. Ça reste. Ça reste discutable tout ça quand même. Hein. En même temps, tu débarques dans leur monde et tu débutes, c'est normal qu'ils t'en veuillent. C'est... Ah non mais ça c'est le problème de Kirby, c'est que Kirby est un personnage absolument monstrueux, hein, vraiment. Kirby est méchant. Ne l'oubliez jamais. Voilà, on va aller assurer les... Ouais, j'étais sûr que ça serait compliqué, cette histoire. Ouf. Ouais, je joue avec le feu, là, hein, sans jeu de mots.
Après, oui, Iso s'attaquait à l'être le plus puissant de Nintendo. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas... Ah, mais c'est pas celle que je pensais, en fait. Merde. Bon, c'est pas grave, ce sera fait quand même. Kirby VLC, mais ouais, c'est ça. Celle-là, niveau timing, elle est juste quand même. Mais par contre, ouais, j'étais persuadé que c'en était une qui me menait, mais en fait, non, je sais avec quoi je viens de confondre. Mais en vrai, ça va aller. Je sais comment je vais m'en sortir. Oui, alors si on me laisse sauter, par contre, ça serait bien, merci. Voilà. Ouais, parce que la santé, je vais la récupérer, là. Ouais, j'ai avec la glace, ici. Ah non, il n'y en a pas en dessous. J'étais persuadé qu'il y avait des soins en bas, mais non. En fait, pourquoi j'arrivais pas à l'atteindre là, c'est très bizarre. Voilà, jouer safe, hein. Vu ma santé, on va pas prendre de risque idiot. Ah, c'est parce que c'était la hauteur à laquelle je tirais qui était pas la bonne. Ouais, c'est possible, effectivement. Bonsoir Anto. Bon là je vais faire les objectifs annexes hein, pendant que j'y suis, comme ça je j'assure le coup. Ah, de la bouffe, franchement ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de vie. C'est... failli me louper, mais alors lamentablement. Oh, il a l'air bien con. J'ai failli faire un perfect sur ce niveau. C'est vraiment parce que je veux assurer la quantité pour pouvoir tracer dans les derniers là. Et surtout, il y a le dernier objectif qui est de viser la cible là, mais il ne sert pas parce que c'est pour un plan, donc on s'en fout. Kirby Indiana Jones, ouais, c'est vrai qu'avec son casque colonial et son fusil là, c'est... Bon là je dois être mieux parce que j'en ai eu vraiment beaucoup, j'ai dû en avoir 10 dans ce niveau je crois, non? Oui voilà, je suis large, c'est ça, ça va me permettre d'un peu mieux aborder la suite. Je dois être à 16? 16 ou 17? Je crois que c'est 17. Ok, 17 ça veut dire qu'il me suffit de 5 dans chacun des 3 derniers niveaux. J'ai dû dépasser les 2 heures, ouais je suis à 2h07. J'attendais de me voir faire de la merde sur le boss de fin, on va rigoler aussi. Ah, je sais exactement qu'est-ce que je vais aller faire pour
pour tracer ici. Je suis là. Bonsoir patron, comment ça va? Ouais, c'est bien ce qui me semble, ça n'a aucun intérêt, mais c'est bon, là les 5 elles sont déjà assurées. Ah oui, ça c'est les cafés, mais les cafés j'ai raté le premier objectif, donc du coup je les aurai pas. Ah merde, bon alors j'aurais pas l'objectif de ne pas s'être fait écraser, ça c'est très con. Parce que c'est un objectif additionnel assez facile à gérer. J'ai un peu chié, c'est dommage. On va se contenter de récupérer ça à la place. Pas chier à faire ce passage là. Bon, je prends pas le café parce qu'on s'en fout. Si ça, bah c'est bon. Genre, les deux niveaux suivants, je peux me contenter de les finir ou presque. Est-ce que je me vois vraiment speedrunner le jeu? Tu veux dire PJ sur la durée, m'y mettre après? Non, non, là, c'est vraiment pour le fun que je fais ça. C'est juste pour l'occasion de ce stream, mais après, je le ferai pas sérieusement. Ah, en vrai, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est con, c'est pareil, les cafés, ils étaient assez faciles à choper. Mais bon, c'est des détours pour les prendre, donc vu qu'on essaie de finir vite. Donc il reste deux niveaux, faut que je sois à 32. Donc 8 plus... j'étais à quoi, 17, c'est ça? Ah, c'est ça, 25. Donc du coup, il m'en faut 7 sur les deux niveaux suivants. Donc c'est-à-dire, j'ai juste besoin d'un seul additionnel et c'est bon. Et je sais déjà lequel je vais avoir, donc je ne me fais même pas chier. Et moi, de juin pour Mario Foot, hein, mais Mario Foot, il va vraiment être cool, hein. Je pense. Il n'a pas existé, Gory Colosse, hein, vraiment.
Alors ça donne quoi Metroid Dread PJ du coup pour ta découverte? Ça s'est sauvé. Donc maintenant je peux me contenter de ne plus chercher à choper le moindre... Bon en vrai il y en a un que je sais que je vais choper mais... Parce que normalement le suivant il va être... Il vient de tomber tout cuit dans le bec sans que je fasse rien ou presque. Enfin je pourrais faire exprès de le rater mais il faudrait vraiment en vouloir quoi. Et revoilà t'as tout fou. Ah, il a arrêté de cramer pendant qu'il tournait, par contre, ça c'est dommage. Parce que c'était bien pratique quand même. Le fait qu'il continue de cramer pendant qu'il tourne sur lui-même, ça c'est quand même très bien ça. Psychogène. Ouais, juste c'était Kirby's Dream Land sur Game Boy. Ah, ça c'est des souvenirs. Moi, je regrette de pas l'avoir fait étant gamin ce jeu. Je pense que j'aurais vraiment aimé le faire étant petit. Allez, crame tout seul. Je te laisse te finir. Voilà. C'est vraiment jouissif pour ça, ce pouvoir. Et normalement, là, je... Ah, c'est... Est-ce que je l'ai, l'objectif additionnel dessus? C'est pas sûr. Il faut finir en moins d'une 30. Je sais pas si je l'ai eu, du coup. Si je l'ai eu. Voilà, on est plus que large. Aucune question à se poser. PJ, tu veux savoir ou tu veux pas savoir? Pour l'émi. Ah, ils sont tellement gratos en vrai, même sans chercher à les avoir. Bon après j'en ai plus besoin, donc je vais même pas le prendre. Voilà, je vais négliger ce Waddle Dee à côté duquel je passe, c'est terrible. Pauvre garçon. Oh ça c'est moche. Oh c'est moche. Comment je me suis fait voler mon pouvoir de feu que je ne récupère pas après en plus. Ah putain quelle merde. Écoutez, on va prendre celui-là vu que c'est... Allez, redescends là, redescends de ton perchoir. Mais oui, Max Fred, les nouvelles emotes. C'est vrai que tu les avais pas encore vues. C'est encore un coup de Miku. Ouais, Dreamland est très court à finir. Dreamland, je pense que je le ferais bien en stream pour le fun, mais ça risque d'être vraiment court. Les étoiles sont complètement craquées. Elles sont vraiment complètement craquées. Ah non merde, je veux pas prendre les machines, c'est vrai. En fait ça je devrais pas le faire parce que ça va me faire perdre du temps. Donc on va essayer de les rater exprès, voilà. Là je devrais être safe.
Ah ouais, 12 minutes 23 sur Curious Dreamland de Maxrad, effectivement, ouais. Bon allez, trace. Les étoiles pour les Noites, ouais grave, mais j'ai tout fait, alors moi j'ai tout fait sur les étoiles, j'ai tout fait avec le pouvoir, parce qu'en fait comme je voulais essayer de cumuler les objectifs, je crois que tous les boss du jeu, sauf un, il y a un boss justement qui nécessite d'être vaincu sans pouvoir, donc exclusivement avec les étoiles, mais en dehors de ce boss là, effectivement, on est obligé de, enfin obligé, on peut se forcer à tout faire sur les étoiles. Et nous voilà à l'avant-dernier niveau du jeu. Enfin l'avant-dernier. Techniquement c'est le dernier niveau classique. On est déjà à 2h18. Hein. Ça va prendre plus de 2h30 je pense. C'est quoi, j'aurais dû vous faire faire des pronostics d'ailleurs sur le temps que ça allait vous prendre. Bon, il y avait rien à gagner hein, mais... Mais est-ce que je peux descendre par là? Ah non. Kirby qui est littéralement tombé sur la tête là pour le coup. <rire> 2h46, ça serait beau ours. Ce niveau est ouf. La musique de ce niveau est folle. C'est... Ouais. Elle est tout à fait Storm. Hein. Il est long ce niveau là, il est vraiment long pour le coup. Mais on va essayer de le tracer, on va ignorer plein de trucs. Bien. Prends une petite épée quand même sans avoir un pouvoir, ce serait bien. Kirby, c'est une tête avec des pieds et des... et puis des mains, façon de parler. Hein. J'ai l'impression d'essayer de le faire en pacifiste ce niveau, c'est trop bizarre. Bon, en vrai, il y a un mob que je serais obligé de buter quand même. Ah merde. Enfin, même pas qu'un d'ailleurs, il y aura plus que ça. Même pas ça, c'est un objet de les libérer pour avancer en fait. Parce que la porte au fond elle s'ouvre après. Donc ça se trouve en fait on est obligé de les récupérer, donc je me suis fait chier pour rien dans certains niveaux d'avant. Hein. Parce que là c'est tellement linéaire, après voilà, faut... La route après faut l'optimiser, faut la connaître. C'est... Et moi pour le coup je vous dis j'improvise absolument tout, hein. Même si je connais bien le jeu. C'est de la full impro depuis le début. À part un ou deux niveaux que j'avais refait pas mal de fois. Merde. Bon là c'est pas du speedrun hein, d'essayer de passer comme ça, mais bon, au moins comme ça je suis safe. En vrai, est-ce qu'il y a moyen de passer sans... Ouais, il y a grave moyen de passer sans en fait.
Mais. Prendre des gars, ouais. C'est pas glorieux, mais c'est passé. Kirby, c'est le One Man Army, mais grave. Mais il est tellement puissant, Kirby, c'est... Je pense qu'on sous-estime immensément la puissance de Kirby. Ah merde, c'est juste pour récupérer des pièces, ça. Je me rends compte que Kirby, il est mouillé quand il ressort de l'eau. Il y a un gros sens du détail là-dessus. Oh non ! Eh, je suis hyper loin de sa hitbox, c'est quoi cette merde, là ? D'où il me chope, en vrai ? Pareil, ce morceau-là dans l'OST, il est bien vénère aussi. Il n'y a pas à dire ce niveau-là et le précédent, ils ont vraiment des allures de best-of quand même du jeu. Hein. Ah, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ah merde, c'est vrai, je pensais qu'il y avait une cutscene. Très con. Mais what? Ah, il me l'a inversé? Mais à quel moment il me l'a inversé? C'est le dernier vrai niveau du jeu, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a ce côté, effectivement, un peu best-of, comme ça. Ah, je sais ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur... J'appuie sur l'ouvert par erreur et j'ai refait la même erreur là. Ça, j'ai pas compris comment je me suis planté. Ah, on peut même pas l'éviter en fait. Bonne sorcier, à bientôt, merci beaucoup d'être passé. Allez, on va finir sans pouvoir parce qu'on est un ouf, voilà. Merde, j'étais méga en avance sur les plateformes, j'ai failli tomber dans la lave en fait. Bon, ça compte pas, de toute façon je m'en fous parce que je fais pas un 100%, mais... Je me rends compte que dans un 100%, si on va trop vite, on peut vraiment tomber dans la lave à ce moment-là. Bon, et bien nous en sommes à... nous en sommes à 2h27. Et on arrive... Bah il n'y a plus de niveau là, littéralement, il n'y a plus de niveau classique, il n'y a plus à s'occuper des WNOD. Il y a juste à... Vous allez voir, je ne vais rien vous dire, vous allez voir ce qui reste.
largement plus de 32. Maintenant, le jeu va dans la démesure, c'est un petit peu ça, oui. C'est-à-dire que voilà, donc là, encore une fois, un spoiler alert, on arrive au boss de fin. Et bisous Max Fred, à bientôt, merci. Non, non, c'est pas ça que je veux du tout. Après, je sais pas comment je me serais habitué, j'aurais géré l'absence. Ah mais j'ai pas le pouvoir. Oh putain, j'ai pas le pouvoir que je voulais, ça va faire merde. Alors Shinigami, bonsoir à toi, et non j'ai pas mis de temps de speedrun parce qu'en fait comme je le refais assez rarement, j'ai toujours pas installé de light split ou de trucs du genre. Donc techniquement mon chrono il est là, il est sur mon iPhone, voilà. Puis bon, c'est pas un speedrun très sérieux non plus, donc c'est plus pour le fun que je le fais en essayant de finir le jeu le plus vite possible, mais en vrai, c'est un speedrun plus pour la blague qu'autre chose. Je me rends compte qu'il a une barre de vie complètement à chier, ce boss. Après, bon, c'est la première phase, ok, mais quand même. Un boss de Souls. Mais du coup, ouais, non, faudra vraiment que je me décide à installer un truc genre la split, parce que bon, comme je fais quand même de temps en temps des speedruns en stream, ça serait dommage de... Oh le bâtard. Je maintiens que je trouve assez nul comme boss à ce stade du jeu quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vrai que j'aurais pu prendre le marteau à la fin de la P1, mais le problème c'est que le marteau je l'ai pas amélioré, donc il est un peu naze en fait. Mais c'est vrai que le marteau bien chargé, même en non évolué, il est plutôt puissant, ouais. Bref, voilà. Mais je n'ai pas déclenché mon timer pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas fini. Un héros avec un bonnet vert et une épée combat un boss final qui ressemble à un sanglier, on est bien dans Kirby. Très bon constat d'Elvire, effectivement. Donc là, on va enchaîner les cutscenes qu'on va skip, hein. Là, ça va être le bordel. Ouais, j'ai up uniquement les pouvoirs dont j'ai besoin. En fait, techniquement, le seul que je me suis autorisé à up, c'est le feu, parce que ça me coûte rien en termes de... Je perds pas de temps à l'upgrader. Enfin, je perds juste le temps d'aller dans l'armurerie, mais comme c'est gratos. Ah putain, ça a pris. C'est pareil, j'essaie de battre le plus possible les boss sans utiliser d'étoiles. Bon, il y a des moments où j'en ai un peu besoin, mais en vrai, c'est assez marrant d'essayer de pas les utiliser. C'est pas content, ouais, c'est ça.
Est-ce que ce moment est la... C'est vrai que la... Merde, je vais toujours cette séquence. Ah putain, laissez-moi aller chercher mon feu. J'ai besoin de mon feu. Merci. Non, parce que le feu sur la phase suivante, je dis pas qu'il est vital, mais pas loin quoi. C'est le moment où je l'achève normalement. Ah putain le bâtard. Ah il m'a remis un hit à la con. Le problème c'est que je crois que je récupère qu'une canette après. Alors, lui, il a pris la meilleure strat des jeux de combat, il spam les boules de feu, mais c'est ça. Les boss faire en 15 secondes. Alors en fait les boss faire en 15 secondes pour moi c'est pas un glitch. Je pense savoir comment ils font. Une canette, moi je suis quasiment full life, bon ça va être gérable. C'est vrai qu'avec le feu draconien je m'éclate là-dessus, mais je pense qu'avec le feu volcanique ça passe. Merde, c'est une cutscene. Bon en vrai... Ce boss, j'ai envie de dire, il n'y a pas spécialement de tactique, hein. Vous avez le feu, vous bourrinez, c'est complètement heureux de... Ouais, non mais c'est n'importe quoi. C'est là qu'on se dit que ouais, pour toute cette séquence-là, le Peggy 7, on le comprend un peu, quoi. Mais oui, il est grave dégueulasse, oui. Ah, je suis en train de faire le con. Ça va passer, ouais, c'est bon, ça passe. J'ai même pas de technique, hein. Pour moi, ce boss, c'est du bourrinage. Voilà. Et vous pensiez que c'était fini? Lol. C'est là qu'il va falloir... Bon, c'est con parce que c'est pas un run deathless, vu que je suis mort comme une merde dans un niveau qui était pas difficile ni dangereux. Mais voilà. Il n'y en a plus, il y en a encore, mais oui, mais c'est ça. On est à 2h35. Ouais, on sera dans les... Ouais. Alors, je suis désolé, ours, ça sera pas 2h46. Hein. Je vais certainement pas passer 10 minutes encore sur le boss qui reste. On arrive à 2h36, là. Cela dit, avec le pouvoir pas puissant que j'ai, ça peut être long. Mais ce boss est complètement ouf. Ultimate Félix niveau barre de vie, il est bien bien craqué. Mais ouais, non, boss méga classe. Franchement, cet affrontement est ultra classe, j'aime beaucoup. Mais ça, le pire, c'est que oui, on sent qu'il y a une espèce d'influence quand même, malgré tout, des jeux FromSoft dans la mise en scène des combats de boss. C'est... Ça a beau être Kirby. On sent qu'il y a un petit truc qui a changé. Ah le bâtard.
même pas cette attaque. Regardez-vous. Si vous regardez au fond de ce monde post-apo, vous voyez des Inklings en plein Splatfest. Et là, je crois qu'en plus, il se régène un peu si je dis pas de conneries, non. Mais il y a une phase que j'aime pas du tout après. Et là, le décor devient mais tellement taré, c'est un truc de ouf. Oh, putain. Je sens que je vais me faire niquer. Je vais me faire niquer. Mal barré là. Je pense qu'en fait je devrais le faire aux étoiles, hein. Je devrais vraiment essayer de le battre avec les étoiles. C'est une idée de merde d'essayer de le finir absolument au feu. Ah, cette attaque là je la déteste. Imaginez toute cette cutscene là toute cette scène en 60 fps, ça serait vraiment ouf. Ouais, j'ai largué mon feu, tant pis. On va attendre bien sagement de voir lequel c'est. Il s'est encore régène ce con. J'avais oublié ça. Ah merde. C'est vrai que je peux pas flotter, je suis con. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais bien que je peux pas flotter en plus. Quand j'ai une étoile. C'est pas grave. Mais bon, je pense que je vais le faire avec les étoiles. Hein. J'ai un pouvoir de feu qui est tellement merdi que... Encore une... En fait, ours, ça va peut-être prendre 2h46 du coup. Alors le boss a l'air un peu hard. Oui, sauf qu'on peut tellement le faire avec des... Comment ça s'appelle? Avec des... Des aides en tout genre que... C'est quoi en vrai? Je vais le faire que avec les... Allez, je vais le faire full étoile. On va être sport. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai recraché mon pouvoir de feu. C'est nul à chier ce que j'ai fait. Ah bah non.
Merde, j'avais pas vu les cercles. On est à 2h44. J'ai réussi à ne pas me faire toucher là-dessus, je suis impressionné. J'en reviens pas moi-même. Ah, par contre, ça c'est con, ça. Vraiment, ce hit-là, il est stupide. Mais vraiment? Mais genre, vraiment, j'ai pris ça. Mais je joue vraiment mal, c'est... Oh là là, non mais je vais encore crever en fait. Ah, de toute façon, ce speedrun, je vais devoir faire une pause. Bougez pas, je reviens.
Mais voilà. Désolé pour cette interruption des programmes. Mais me revoilà. De toute façon, je pense que je vais certainement encore crever comme une merde. Et que du coup, je vais être obligé de refaire ce boss. J'ai fait absolument n'importe quoi au début, donc c'est pas étonnant. Ah putain, cette attaque-là, c'est une saleté. Ah bah oui, alors en plus, il y avait celle-là. Bon, très bien. Du coup, je pense que cette tentative de speedrun est officiellement foirée. Putain, il est en train littéralement de me demander si je veux passer la difficulté en mode brise. Ça, c'est sale quand même. C'est vraiment sale. Mais non, je vais pas faire ça quand même, on est d'accord. Hein. Je vais Non, je passe pas en mode brise. On va essayer de finir en normal. J'ai reconnu, c'est le Final Smash de Lucario. Non, mais bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un pouvoir que je pourrais utiliser quand même face à lui au début? Parce que je sais qu'après, le pouvoir à distance qui était le... Mais le problème, c'est qu'il n'a aucune puissance. Il a aucune puissance. Vous savez quoi? Je vais y aller sans... Non, je vais quand même y aller avec un pouvoir, mais... C'est pas évident. En vrai, quand on n'a rien... le pouvoir du sommeil, bah bien sûr, ouais. Le pouvoir de la taupe pour creuser. Bah en fait, le pouvoir de la taupe, il a aucune puissance, mais par contre, oui, si on veut creuser, il est méga pratique, ça. Il a zéro puissance, c'est horrible. Ouais, non, vas-y, je vais te leur cracher à la gueule, en fait, ça m'énerve. Ah, sur un sol en métal, en plus, effectivement, c'est même pas dit que ça marche, du coup. Non, mais il faut sauter à un moment, par contre. Je sais pas comment j'ai fait pour rien me prendre en retour sur ce coup là, c'est... Non, j'ai toujours pas fini Arceus, PJ. Je sais, c'est terrible, mais... Et merde, j'aurais pu voir venir celui-là, mais non. Je suis en train d'imaginer ce combat de boss avec certaines musiques de Nier Automata, c'est... Ça rendrait trop bien. On est d'accord, je pouvais rien faire là. Je m'étais tellement coincé dans le. Sur le bord que c'était foutu en fait. Alors déjà, le fait que je fasse sauter le stream du jeudi n'aide pas, c'est vrai. Parce que oui, j'ai encore prévu un stream de Pokémon jeudi, mais ça va dépendre de si je finis Tunique. Si je finis pas Tunique, c'est Tunique que je ferai jeudi.
Pas un peu abusé celui-là. Ah putain, qu'est-ce que je déteste cette attaque de merde. Il a fait un coup en plus que j'avais complètement zappé. Ouais, ça lui est, ça, il se régène sur ce truc là, c'est ça. C'est vraiment de la merde. Et voilà la pire attaque. Bon, en vrai... Ah putain, elle est horrible. Quand même. Vous savez que c'est pas fini, c'est ça le pire, c'est que c'est pas fini. Vous avez pas vu ce qui se passe après, hein. Ce jeu est complètement fou, mais vraiment. Bon, allez, je skip quand même la cutscene. Parce que oui, il se passe un truc improbable. Il se passe ça. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, il se passe ça. C'est du grand n'importe quoi et j'adore. La fin un peu à la Odyssée, ouais, vraiment. Hein. C'est pas sorcier, c'est ça, voilà. Il faut ça comme le prochain Final Smash de Kirby, c'est ça, s'il y a encore un Smash Bros un jour. Il y a un côté Bayonetta, ouais, aussi. C'est dans le finish de ce jeu, c'est... Non mais regardez-moi ce bordel quoi, c'est... Mais cette scène finale, c'est tellement du n'importe quoi, c'est... Mesdames et messieurs, le Japon. Voilà. Cet ending est sponsor par les camions, man. Non mais c'est n'importe quoi, hein, vraiment, enfin là. Mais c'est kiffant, c'est le boost magique, c'est ça. Moi ça me fait marrer, hein, tellement c'est pété.
c'est pas bien la drogue. Et Goku, typiquement, ça s'arrête ici sur ce dernier hit. Et on est à 3h et 19 secondes. Bon, évidemment, j'ai fait une pause téléphone, donc on va dire que en vrai, je dois avoir 2h57 de jeu, 2h58, un truc comme ça. Mais voilà, donc le jeu finit en un petit peu moins de 3h. On va zapper la cutscene quand même, hein. Le but du jeu, c'est pas de vous spoiler non plus la cutscene. Et maintenant, on peut faire les paris sur combien de pourcents j'ai. Surtout, vous pensez que j'ai combien de pourcents de... comment ça s'appelle, de complétion. Alors, 40, 46, putain, si j'avais 46, ce serait n'importe quoi. 60, 20, 35, 20, ok. Allez, on va regarder. Donc ça sera mon fichier de droite, hein, pour info. 56%. Voilà, donc le jeu finit à 56%. Alors 56% en 3 heures, mais si je voulais faire le reste, ça serait vraiment long. Ça serait vraiment long. Alors quand j'ai sauvé au moins 155 Waddle Dee, du coup j'ai débloqué la pêche. C'est vrai que c'était presque le plus près que tes 46, ouais. J'ai débloqué ça, par contre j'en ai moins de 180, donc j'ai... j'en ai combien des Waddle Dee en tout? Du coup j'en ai au moins 155. 100%, mais combien de temps environ quand tu découvres le jeu? Et en fonction de ton skill, pour moi c'est... 25-30 heures. Ah, on en débloque des merdes, hein. Et ouais, du coup, il y a plein de choses qui se... Pourquoi pêcher avec la canne à pêche quand tu peux pêcher à la bombe ou à la flèche électrique? Les jeux n'ont vraiment rien retenu de Breath of the Wild. Ça pourrait pas être un grand jeu actuel sans mini-jeu de pêche, c'est vrai. Voilà, j'en ai 176 du coup des Waddle Dee. Alors, est-ce que vous voulez que je switch sur ma partie 100% pour vous montrer un ou deux autres trucs, ou est-ce que vous voulez qu'on en reste là? Parce que bon, après, voilà, moi, je peux en rester ici. De toute façon, j'ai pas l'intention de m'éterniser ce soir. Et du coup, voilà. Alors, si, par contre, il y a un truc que je peux vous montrer, éventuellement, c'est... à quoi servent les amiibos, du coup, et quel est le... Je vais quand même juste dans mon 100%. Histoire de... Donc où j'ai absolument tout, hein, bien sûr. Ou surtout, si on veut vraiment cheater, donc autant qu'on retourne effectivement sur le...